Bonjour, bonsoir tout le monde. J'espère que ça va bien. Bienvenue sur ce live en direct. Nous commençons avec grandiosité, j'ai envie de dire. Voilà. Alors, j'ai ma chaise qui descend petit à petit. Elle n'arrive pas à tenir. Clap, clap, clap. Merci. Oh, elle descend toute seule, ma chaise, elle est pénible. Elle redescend! Y a rien à faire. J'ai une chaise qui descend toute seule. Ah. C'est bon, elle descend plus. Bonsoir! Bonsoir, comment ça va? Ben ça va bien, parfait, c'est très très bien, c'est le principal. Donc vous allez voir sûrement que je vais réduire de taille, c'est la chaise en fait, hein. Faut pas chercher, c'est tout simplement la chaise qui se met à baisser toute seule. Ah voilà, ça commence, on est sur un début de descente aux enfers. Bon, alors déjà, premièrement, je suis allé faire quelques courses tout à l'heure. Et oui, quiz musical ce soir, tout à fait, tout à fait. Ah voilà, je commence à descendre. Quiz musical, on va le faire en live même d'ailleurs. Ça va être très très drôle. Tout à l'heure, je suis allé faire mes courses au supermarché Carrefour City pour être plus précis, pour acheter une petite baguette tradition, voilà, rien de plus classique. Et seulement, bon, on avait nos masques, mais le caissier, en voyant ma tête. Il m'a pris pour cet homme. Voilà, vous mettez le masque. Et le caissier a cru que j'étais Peter Jackson. Alors, j'ai un peu bégayé. Je lui ai dit, écoutez, mon cher monsieur, je suis déjà français. Et non de cette nationalité américaine. Et je n'ai pas... réalisé le Seigneur des Anneaux. Quelqu'un t'a reconnu dans la déception. Voilà. Et vous voyez qu'entre temps, je dois avoir perdu peut-être 5 cm. Bon, c'est pas grave, on va faire avec. Donc voilà, c'était la petite. Petit moment du jour. J'ai aussi. Je me suis occupé d'un petit truc sympa. J'ai changé 2-3 sons. Notamment au niveau des subs, et j'aurais bien voulu vous les faire écouter. Parce qu'on ne sait jamais, c'est peut-être trop... Il te donnait 30 ans de plus. Voilà, tout à fait. Alors je lui dis, écoutez mon brave garçon, vous allez redescendre déjà. Alors, attendez, où est-ce que c'est? Ah oui, c'est ça. Le host. Déjà, le host a changé. Est-ce que quelqu'un veut me host, s'il vous plaît? Ou alors je le fais moi-même? Est-ce qu'il y aurait des volontaires pour un host? Je descends encore en taille. C'est pas grave. On va me laisser descendre. Je rapetissie en fait. Et d'un coup je remontais. Pouf. Je n'ai aucune idée d'où ça vient. C'est probablement le siège qui est pas tout récent. Pourtant ça fait à peine 3 ans que je l'ai. Hein. Il devrait pas descendre comme ça. Ou alors je suis peut-être trop lourd pour lui, mais ça m'étonnerait. Donc. N'hésitez pas. J'ai vu qu'on est passé à 65 followers. 65. Voilà. Voilà. J'ai mis l'image qui convient maintenant. Merci beaucoup. Merci Redco. Voilà, j'ai mis l'image qui est plus adaptée finalement au contexte auditif. Et finalement, voilà, ça se rejoint au contexte visuel. Et je me suis permis aussi de modifier pour les subs. Alors, j'ai pas demandé à quelqu'un de se sub, non. Je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Merci Seb, Yoast. Voilà, nous avons véritablement la guerre. Et voilà ce que ça donne quand on offre un sub. Non!
Mais pourquoi ça fait ça? C'est pas censé faire ça! C'est carrément pas censé faire ça! Ah. Non! Pourquoi ça fait... Donc c'est-à-dire que j'ai fait tout ça pour rien, quoi! Bon, c'est pas grave. Très bien, tant pis, c'est pas grave. C'est pas grave. Bon, écoutez, on va passer tout de suite aux choses sérieuses, un petit peu, quand même. Alors, effectivement, vous voyez que depuis, j'ai perdu quelques centimètres. Mais c'est comme ça, c'est la vie. Moi, j'accepte. Du coup, je parlais tout petit. Attendez, je vais remonter le siège, vous allez voir la différence. Hein. Là. Là, normalement, je suis bien. Je vais éviter de trop bouger. Pour pas faire baisser le siège. Alors, je me suis permis quelques petites modifications. Enfin, non, quelques rajouts, finalement. Déjà, nous avons un sol qui est du marbre. Et nous avons un plafond avec des poutres. Ok. Je vais mettre ça là. Tac. Donc, des poutres très simples avec un plafond visible et ainsi une série de poutres. Naturellement, ces poutres sont dans Funk Details. Ok. Pour ceux qui n'étaient pas là ce matin, puisque j'ai eu une discussion effectivement donc avec Seb et Max qui sont les fondateurs du serveur La Nouvelle Hope, la map sur laquelle on modifie, elle était à 300% d'entité, d'int data pour être plus précis, donc Redco et Singe ça devrait vous parler. Et seulement pourquoi elle était à 300%? Eh bien, Singe et Redco, vous n'allez pas en revenir. Si je vous dis que tous les arbres d'une map, de la map, que vous imaginez, une map médiévale quand même, tous les arbres étaient en props dynamique. Tous en props dynamique. Ça devrait monter au crâne, là. Non. Donc, tout simplement, ben, on les a passés en statique. Résultat, on est passé 300%. À 88%. Voilà. Voilà. À bon entendeur. Vive l'OptiMDR. C'est tout à fait ça. Voilà. À bon entendeur, surtout. À bon entendeur. Et vous me connaissez concernant l'optimisation. Quand j'ai vu ça, j'ai failli faire une crise cardiaque. Voilà. Je dis ça. Je ne dis rien. Bien. Retour au travail, s'il vous plaît. Alors. Donc ici, ce sera la salle du trône. Bam, directement, on arrive le trône. Ici, on va faire une petite ouverture ici. Ça va être une petite chambre, voilà. On va faire à étage. Hein. On va faire à étage. Ça va être un peu compliqué à étage. Mais sachant qu'on a quand même un beau sous-sol aussi à faire. Hein. Il y a moyen de moyenner là. On a un beau sous-sol à faire quand même. Hein. On a un très beau sous-sol à faire. Là, vous voyez, il y a une petite ouverture là. Moi, bon, ça me plaît pas. Ça me plaît pas. Là, voilà. S'il peut changer beaucoup, finalement. Ok, bon, nous allons passer maintenant aux éléments concrets. Ici, on va pouvoir faire les cachots. Alors, je vais réouvrir rapidement mon petit bloc-notes. Alors, salle du trône plus banquet. On va dire c'est bon. Je vais mettre un point lorsque c'est bon. Chambre royale, on la mettra dans une des tours. Chambre aussi. Cachot, on va les mettre au sous-sol avec les oubliettes aussi. C'est-à-dire que la chambre, je pense qu'on va en faire une ici, la chambre royale, et une autre chambre ici, tout simplement. Voilà, on va faire que deux chambres. Et finalement, on mettra cachot et oubliettes en bas. Comme ça, c'est bien ficelé. On a quelque chose de propre et qui ne va pas dans tous les sens. C'est évidemment ce qu'on cherche. Donc, alors, il faut bien que je me positionne bien au centre. Alors déjà, il y a un petit détail, moi, qui me turlupine. On va essayer de rendre ça symétrique avec l'entrée. Voilà. Et c'est-à-dire que le trône va se trouver ici. Tac. Voilà. Parfait. Ok. Mako fait des siennes. Oh non, Redco, normalement, tu peux mettre en 160p.
puisque maintenant je rappelle que nous sommes affiliés, et grâce à cette affiliation, nous sommes prioritaires au niveau du changement de résolution sur les streams. Voilà, merci à vous, parce que c'est grâce à votre activité que la chaîne est devenue affiliée Twitch. Voilà, c'était un message de prévention. Je suis en 480p normalement, ça va, fin dernier jour ça a été, aïe, coup dur pour la connexion. C'est un moment dur. Ok, bon, le trône. Alors, ce que je vais devoir faire aussi, je le crains, je vais devoir me coltiner beaucoup de conversions. Props physique dynamique. Merci beaucoup Didi Dreams. J'ai le double, excusez-moi. Tac. Merci beaucoup Didi Dreams du follow. C'est sympa, merci. Super, je suis plus le mappeur sur Twitch. En effet, oui. Alors attention, je ne prétends pas être le meilleur des mappeurs. Disons que je bricole. Principalement du bricolage. Voilà. Je bricole, je prends mon temps. Je suis plutôt un slow runner, comme on pourrait dire. Moi non plus, Merci. Au moins, c'est rassurant. Voilà. Je suis un slow runner, et puis j'aime bien prendre mon temps, un petit peu parler. Et puis, bon, bah, petit à petit, on avance. C'est toujours pire et toujours meilleur. Tout à fait. C'est très bien, Didi Dreams. En tout cas, bienvenue. Non, là que tu n'es pas le meilleur, je suis le best. Déjà, c'est mal barré, Redco, parce que si t'habites en Belgique. Sur le territoire français, tu ne vaux rien. Je plaisante, bien sûr. Je n'ai rien contre les Belges. Quoique. Non, je plaisante. Non. Je plaisantais. Bon, très bien. Alors, Didi Dreams. Tel moment que je te connais pas. Je vais démissionner. S'il vous plaît. Didi Dreams, si tu as de l'expérience sur le mapping Hammer Source, je vais te poser une question. Connais-tu une façon facile, abordable, qui demande peu de temps pour convertir un props dynamique slash physique en prop statique? Parce que nous avons essayé l'autre jour, et c'est-à-dire qu'il a fallu qu'on passe par la décompilation du props en lui-même, qu'on passe donc avec Robar, qu'on modifie le fichier QC et qu'on recompile avec la modification du fichier QC en ajoutant qu'il fallait que ce soit un statique. Tu le passes en props dynamique override. Très bien. Et donc le prop dynamique override n'agit pas comme un props dynamique. Et tu as une ligne Allo Physic Gun. Oui, d'accord, je vois, tout à fait. Et tu le mets en no. D'accord. Et là, il sera considéré comme un prop statique. C'est-à-dire que... Alors, je vais mettre... Ah, mais il faut que le props soit compatible en dynamique. Si c'est un props physique, il pourra pas... Merci, Bando. Salut à toi. Ce qui te permet en jeu de ne pas pouvoir le prop. Ok, d'accord. En fait, ce que je cherche dans cette façon-là de faire, c'est d'avoir une économie en termes d'entité réelle. Tu descends grave dans mon estime. Non, mais j'essaie de comprendre tout à fait. Et on apprend tous les jours, bien sûr. On a des points faibles, comme des points forts. Merci pour cette somme incroyable, Bendo. C'est tellement de chiffres. Du coup, je vais arrêter le live et je vais partir aux Bahamas. Voilà, salut tout le monde. C'est un plaisir, en tout cas, d'avoir pu faire ce live. Alors, voilà, en fait, Didi Dreams, je cherche la façon d'un prop statique. Parce que j'ai lu et appris, enfin, on m'a appris de cette façon-là, qu'on pouvait mettre des milliers de props statiques, mais peu de props dynamiques et physiques. Voilà. Alors, est-ce que c'est un mythe? Parce que j'ai lu ça dans un vieux livre. Pas un vieux livre, mais un vieux site. Start Fade. Moins 1, 0, oui. Attends, du coup, faut que je revienne dans les props Witcher. Parce que du coup, je me suis mis les props Witcher, et c'est ça essentiellement. Bannissement temporaire.
Eh bien, le riche, tu ne me demanderas pas ça deux fois. Les modos, vous pouvez le ban temporairement, s'il vous plaît. Eh ben, le riche, t'as récup un ban temporaire. C'est... c'est ça l'objectif. Hein. C'est demander un ban temporaire. Tu le vois, enfin, calcul dès qu'il est dans ton champ de... Reko qui n'a pas hésité à appuyer ce bouton. Sans limite de distance, ok. Alors là, en l'occurrence, il est dynamique. Voilà, je vais prendre ça. Il est dynamique. On va creuser un peu plus sur ça. C'est une très bonne chose que l'on creuse un peu plus sur ça. Alors là, j'ai mon props qui est dynamique. Pardon, attends, je vérifie. Est-il bien dynamique ? Oui. Il est bien dynamique. Donc... si je le mets en override, de cette façon-là, ok. Tu m'as dit le start fadeist en 0, c'est chose faite. Et donc, si je relis Allo Physic Gun, voilà, alors elle est. Où est-elle ? Il y a beaucoup de choses. Il est là. No, ok. Ça va plus simple. Bon ben ciao JB. Ciao ciao. Oui tout à fait Didier Dreams, oui. Attends, là c'est-à-dire que... Bundo. Bon voilà, c'est parti. Hein. Oui tout à fait, j'ai Discord. C'est en bas, c'est juste en dessous. Dans les paramètres, enfin pas dans les, dans les, dans, dans les panneaux, plutôt. Et donc du coup, parce que voilà, je vais remontrer vite fait. Mince. Voilà. Voilà, j'ai beaucoup appris sur ce site, en particulier HL Logout, et c'est précisément... Mince, j'ai perdu la ligne. Où est-ce que c'est ? Voilà, ici même. Ici même, où justement... Oh non, voilà, il précise effectivement, donc prop détail des dizaines de milliers, prop statique des milliers, prop dynamique des centaines, prop physique des centaines, des dizaines à des centaines. Voilà, j'y suis. Très bien, Didi. Sac de couchage. J'arrive. Et on est mute. Ah oui, il faut aller dans feu de camp. Allô ? Ah, c'est bon, j'ai les droits. Bon, bien le bonsoir. Bonsoir, Didi Dream, ça va ? Ça va et toi ? Eh bien, ça va très bien. Alors, je suis tout ouïe. Alors, la petite subtilité. Tu as le droit, peu importe les props, tu as le droit à 1024 modèles différents. Très bien. Donc, c'est-à-dire que... là, par exemple, tu vas sur le screen, qui est juste en dessous. Oui. La porte, c'est un modèle, même oui. Si c'est un protor rotating. La table derrière, c'est un deuxième modèle. La d'accord. Chaise, un troisième. La lampe, oui. Un quatrième. Bien sûr. Après, tu peux les utiliser. Donc, le modèle de table, tu peux le mettre 50 fois dans ta map. D'accord. Ça reste pas que 4 modèles différents. Mais tu peux pas aller au-delà de 1024 props différents sur toute ta map. D'accord. Après, plus tu en mets... De props, donc si tu multiplies ton nombre de tables par 50, 60, 80 et tout, tu vas augmenter tes vertex dans la map. D'accord. Donc c'est un peu... T'as une vue sur Hammer où tu peux voir les vertex de tes props. Donc oui. Plus tu charges ta map en props, etc., plus le calcul va être lourd. D'accord. Donc c'est à utiliser avec parcimonie. Mais
D'accord. Tu peux quand même y aller, quoi. Et donc, cette notion de propre détail, propre statique, tout ça, c'est ringard ou... Le propre détail, c'est surtout utilisé sur les displacements. Je sais pas si t'as déjà vu dans certaines maps, oui, où t'as l'impression d'avoir des brins d'herbe qui dépassent du sol. Oui, tout à fait. Les props détails, c'est ça. Donc c'est un truc que t'appliques sur une texture, qui n'est pratiquement pas très peu ou pas utilisé. Ouais, ouais. Les procs statiques, c'est voilà. Et c'est alors, ce qu'on utilise tous. Des milliers, des centaines, des dizaines et des centaines, c'est d'actualité ou alors, c'est... En fait, ce qu'ils disent quand ils disent des milliers, c'est tu peux en mettre des milliers sur ta map. D'accord. Mais c'est là que je te disais la petite subtilité, c'est que même tu peux pas avoir 1024, plus de 1024 modèles différents. Okay. C'est là la subtilité. Mais tu peux avoir 1000 props statiques sur ta map. Quand tu mets des petits spots sur tes plafonds, ça va super vite. Oui. Tu vas sur un plafond d'une pièce basique, tu vas facilement en mettre une dizaine, donc ça va très très vite, ça chiffre très vite. Plus les portes, etc. Donc t'imagines bien que. Et donc, props dynamiques, je respecte cette mesure des centaines ou alors je peux aussi en mettre 1024? Alors, attends. Comment t'expliquer Je vais te partager mon écran, ça va être plus simple. Oui. je vais te faire un paint. Je regarde un stream dans un stream. Attendez, genre, je vais vous montrer. Ça, c'est tous tes props confondus, peu importe le type. C'est 1024, je vais mettre M, modèles différents. D'accord. Et dans ces 1024, tu peux avoir donc les statiques, les dynamiques, etc., etc., etc. D'accord. Statique, donc dynamique, tu peux avoir 10 000 statiques, 1000 dynamiques, enfin une centaine. Mais faut pas que tu aies plus de 1024 props différents. Ok. Sinon, ça, c'est ça marche totale, pas. Quoi. C'est la limite complète. Oui. D'accord. Ok. Et le petit truc que je t'expliquais là, tu vois là sur ton stream, t'es retourne sur Hammer. Sur la config de ton props. Voilà, tu vois le start fade distance et le end fade distance. Oui. Alors, comment ça marche? Tu vas voir, c'est très simple. T'imagines que là, t'as une route. Oui. Ton prop, c'est ici. Et toi, tu es ici. Oui. Donc le start fade et le end fade, c'est... Donc le start fade, ça va être à partir de quand tu commences à le voir. Donc tu vas avoir un espèce de fondu où ton props va apparaître. Oui, ça me parle, ouais. je l'ai déjà vu. Et le end fade, ça va être à partir de quand tu le vois totalement. D'accord, ok. Et inversement, à partir de quand il commence à disparaître et à partir de quand tu ne le vois plus du tout. Très bien. Donc c'est là où je t'ai fait remarquer que quand tu as le start à moins 1 et le end à 0, ça veut dire que peu importe la distance, si ta route elle fait 10 km, le sapin qu'il y a tout au fond, tu le verras. D'accord. Donc ça peut être intéressant effectivement pour des arbres qui sont sur le bordure d'une route ou autre, mais ou des fenêtres ou des choses comme ça. Mais plus t'en mets, plus tu vas mettre des props qui sont visibles de très loin, plus ça va être lourd à calculer pour ton moteur. Ah ouais, j'imagine, ouais. Qui, rappelons-le, a une quinzaine d'années et il évolue. C'est sûr. Pas beaucoup. Le pauvre. Donc ça, c'est à bien faire attention en fonction de la taille de tes pièces et tout. Tu mets du 2048, 4096. Ça suffit largement. Très bien. D'accord. Sinon, le pauvre petit Jean Kevin avec un PC Lidl à 400 euros, il va pleurer. Coup dur pour Jean Kevin. Oui.
Très bien. Et donc ce site-là, tu le connais ou pas? Est-ce que ça te parle? Oui. T'as énormément de bases. Alors moi, j'en ai un que je peux te donner, un petit lien. Ah ouais, plaisir. Qui est très vieux, mais c'est une bible. D'accord. Ah, c'est sur le site du Zéro, c'est en français, il y a des screens. Je sais pas, est-ce que je peux mettre des liens sur ton... Envoie-le sur Discord directement. Ah, bah c'est bon, le bot m'a pas... Ça servira à tout le monde au cas où s'il y a des mappers. Alors, nous on le voit en petite astérisque, il faudrait que l'envoie sur Discord. Discussion textuelle. Voilà, parfait. Voilà, merci bien. Alors là, t'as vraiment la Bible. Alors après, il y a des choses qui ont évolué depuis. Mais genre ça, là, toute la première partie, configuration du moteur et tout ça, tu peux zapper. D'accord. Et un truc qui est... qui peut vraiment t'aider... C'est ça, c'est la liste de tous les raccourcis de Hammer, les raccourcis clavier. Oui, d'accord. Ouais, ça et il y a en fait, tu as des raccourcis clavier qui. Enfin, des options dans Hammer qui ne sont accessibles que par le raccourci clavier. Tu peux fouiller dans les menus et tout, tu trouveras rien. Ah oui. Donc il y a des trucs qui sont vraiment. J'avais vu Top Hat Waffle, je crois il s'appelle. Ouais. Il fait d'excellents tutos et vidéos. Ben le voilà, problème, c'est qu'il est anglais, quoi. Je me suis beaucoup fié à lui concernant les raccourcis, tout ça, ouais. T'as la chaîne de Steinman, oui, qui aussi. A fait des tutos il y a longtemps en français. Je trouve que c'est un peu en surface. Je trouve qu'on ne plonge pas beaucoup dans les... Ah ben, il donne les grandes lignes. Il donne les lignes directrices. Après, c'est à toi de creuser, d'apprendre tes erreurs et tout. Parce que sinon... L'utilisation du Funk Detail, il peut te faire une vidéo de 45 minutes dessus et t'expliquer tout ce qu'il faut pas faire avec. Hein. Non, mais c'est sûr, c'est intéressant. Et puis, ce qui est marrant, c'est qu'on en apprend tous les jours. Quoi. Et alors, un truc qui peut te changer la vie, si tu ne l'as pas encore fait, je te montre sur Hammer. Si vous avez des questions, Redco ou Singe, n'hésitez pas, c'est le moment. Alors, tu vas dans tes options de Hammer. Alors là, tu peux activer les sauvegardes automatiques. Ah oui, les autosaves. Ce qui peut arriver, que ton Hammer plante. Ah ouais, ouais, ça c'est vrai que ça m'arrive. Bon, moi, je les active pas parce que j'ai le contrôle S... En maladie. Oui. Dès que je fais un truc, je fais un contrôle S. T-game config, bon, ça, tu t'en fous un peu. Alors, t'as ici une case qu'il faut surtout cocher, c'est celle-ci. Le défaut tout 15 degrés rotation. Ok. Je t'explique pourquoi. Oh. Lui, admettons, tu vois, sur ma vue, ma vue de dessus, là, tu vois, quand je le tourne, si tu n'actives pas la case, en gros, quand tu pivotes, tu vois, ça donne des angles bidons. Ouais, donc, tu n'arrives jamais à bien l'aligner. Ouais. Sauf que quand tu fais ça, ben, tu fais 15 degrés, 30, 45, etc., etc. Tu as toujours, du coup, un alignement qui est nickel. Ah oui, ça c'est propre. Alors, quand c'est pour placer un meuble le long d'un mur ou aligner des barrières et tout, c'est juste magique. D'accord. Ah ouais, d'accord. Et d'autant plus que t'as toujours un angle régulier sur tes props, c'est pour l'éclairage, c'est magique aussi. Ah bah j'imagine, oui, ça change la vie. Hein. Parce que, admettons, tu mets une ligne de buisson. Je sais pas, celle-là, tu le mets comme ça. Tu le mets comme ça, y a aucun angle qui est régulier. Donc ta lumière, elle va avoir un effet sur un angle, je sais pas, à 43, là tu vas être à 32, ici tu vas être à 41, alors que tout devrait être à 45. Ah oui, d'accord, oui, bien sûr.
Et ça, multiplié sur toute une map, ça pèse quelques heures de compilation en moins. J'imagine, oui. Et beaucoup de FPS en plus. Eh bien, dites donc. On en apprend un peu plus. Je crois qu'en termes d'options, t'as ici... Ça dépend de ton PC, bien sûr. Ouais. Ouais, j'ai... Okay. Le back clipping plane, c'est la distance ouais. à laquelle tu vois. Bon, c'est pratique quand t'as pas un beau PC, un gros PC, tu vois. Ouais, ouais, je vais ouais, mettre là. Ça, après, voilà, oui, ça reste... Tu vois, si je change ça, tu vois, mon champ de vision, il est très restreint. Bon, moi, je le mets à fond, parce que, voilà. Le modèle render distance, c'est la même chose qu'au-dessus, mais pour les props. Détail render, pour les props détail, quand on utilise. Et le forward speed, c'est quand tu te déplaces dans ta vue 3D, c'est la vitesse à laquelle ça avance. Parfait. Très bien. Vieux, mais toujours efficace. Hein. Ouais. Il y a un petit programme qui marche super bien, si tu veux, pour compiler et tout, parce que je pense que tu passes par Hammer. Ouais. C'est ce programme-là. T'as une interface visuelle. Game Selector. Nickel. Où est-ce que moi j'ai plusieurs... Ok. J'ai plusieurs compilateurs en fonction de ce sur quoi je travaille. Et donc t'as des paramètres qui sont prédéfinis, donc ça c'est la compile fast. D'accord, oui. Ouais, que tu vas avoir sur Hammer ouais. et le normal, le full. Ouais. C'est le mode expert quoi, de la compil sur Hammer. Voilà. Sauf que tu vas sur Hammer en mode expert, t'es obligé d'écrire comme ici là, de rajouter des arguments de commande. Alors que là, t'as juste à faire en BSP, ajouter un paramètre, noted junk, vvis. Tu rajoutes tout ce que tu veux, il y a toutes les options existantes. Il n'y a même pas besoin d'aller chercher, quoi. T'as pas besoin d'aller chercher, il y a une petite explication sur le côté. C'est gratuit. Il est sur le site de Valve. C'est juste une tuerie. Compile Palx, ok. Tiens, je te donne... Je te donne le lien aussi. Ah ouais. Un outil qui m'a l'air bien. Et ça, c'est une tuerie. Et depuis la dernière version, ce qui est pas mal, c'est que si tu veux changer de mode de jeu et tout, t'es pas obligé de quitter le programme, de le relancer et tout. Tu peux le faire directement. Tu reviens, tu changes de jeu. Ok. Qu'avant, t'étais obligé de quitter, de relancer, de resélectionner un jeu ou d'avoir plusieurs fenêtres ouvertes. Mais fallait pas te tromper. Ah oui, d'accord. Ah oui. Et alors comme PC, qu'est-ce que tu as, Didi Dreams? Fais-nous pour aider, hein. J'ai un 9880XE avec 32 Go de RAM et une 2070. Ok, d'accord. Super. Bah ouais, bah super, c'est qu'à le dire, ouais. Et j'attends les prochains Ryzen pour changer, pour passer chez les rouges. D'accord. Ok. Bon. Et alors, j'ai vu que tu avais quelques saves sur Hammer. Tu as quelques productions, j'ai vu. Là, je bosse là-dessus. C'est une map que j'avais faite il y a longtemps. J'avais publié sur le workshop. Je l'ai recommencé parce que ça me plaît plus. D'accord. Je vais te montrer où j'en étais avant. Et en fait, ça m'a pris comme une envie de pisser. Je recommence. Ok. Voilà, tu vois, j'en étais là. J'avais fait tout mon centre-ville, ma zone indue. Ah ouais, d'accord. Et alors les zones de développement, comme ça, tu leur donnes cette texture orange, c'est ça? Tu peux les mettre en orange, tu mets ce que tu veux. Ah, okay. C'est un point de repère pour voir quel est mon espace vide. D'accord. J'avais vu StateMind justement utiliser cette technique. Mais non, j'ai pas grand chose sur le workshop. J'ai beaucoup bossé pour du privé, pour des petites communes. D'accord. Enfin, petites et grosses. Tu vois, celle-là, c'était ma toute première en 2016. D'accord, ah oui.
J'ai fait ça, un petit manoir, il y a pas longtemps. Hein. Ah oui, d'accord. Ah si, 2018 quand même. Ah, ça fait autant de temps. Ça, ah oui. D'accord. Ça, et j'ai fait une Star Wars qui s'est fait ban du workshop pour des Américains. Ah bon, comment ça, ban? Parce que c'était une reprise du Venator. Donc je vais te remontrer, mais en fait, je n'ai gardé que les détails de la coque extérieure. J'ai refait l'intégralité de la coque, il n'y a aucun brush qui correspond, il n'y a rien qui a la même dimension, j'ai tout refait. Mais c'est possible de se faire ban, hein? Enfin, c'est qui a ban? C'est en fait, je me suis servi de props à droite à gauche que j'ai trouvé. Mm-hmm. Oui, ce qu'on a tous fait, hein, il faut le dire, en tant que ce qu'on a tous fait, voilà, et je pense que l'auteur originel, celui qui a créé les trucs, est tombé dessus, a certainement dû la signaler. Et du coup, a pu. D'accord. Je m'étais fait cette map-là pour mon serveur à l'époque. Ah oui, donc ça veut dire quand même que la modération du workshop Steam peut faire ce genre de choses. Oui, oui, oui. Eh bien, ouais, on l'apprend. Et ça peut être très intéressant. Je crois, si je ne l'ai pas supprimé. Tu vois, il est ici. Ouais, tu vois, il y a une ligne rouge. Cet objet a été supprimé car il ne respecte pas les règles de la communauté Steam. Maintenant visible que par vous, si vous pensez que votre objet a été supprimé par erreur, veuillez contacter le support. C'est pas vrai. Les enfoirés, quoi. Les enfoirés. Pourtant, je pensais que Workshop était un peu comme le domaine public, quoi. Bah oui, mais non. Ah ouais, d'accord, c'est une fausse bonne idée. Voilà. Enfin, c'est une fausse idée, quoi, ouais. Voilà ma map que j'avais faite à l'époque. Ah ouais. C'est une map open où tu pouvais utiliser des hélicoptères. Ok. Bon, tu vois, il y avait encore quelques petits bugs d'éclairage que j'avais pas réglé. Ah, toi qui me dis qu'il faut que je sois sponsor par Steam. Bah ouais, parce que du coup, moi je vais utiliser les props The Witcher, mais si la compagnie The Witcher me voit, il ne manquerait plus que ça, quoi. J'avais fait vraiment. J'avais passé du temps là-dessus. Hein. Il y a eu. Ça, c'est. Tu vois, l'arche, c'est du proper. Donc, c'est fait sur Hammer. Proper. Passé sur proper. Retouché sur Blender pour en arriver là. D'accord. Et sur, ouais, sur Blender, qu'est-ce que tu as fait sur Blender? En fait, j'ai corrigé au niveau des jointures d'arche là. D'accord. Proper, il aimait pas trop. Ok. Il aimait pas trop les jointures, du coup ça faisait des blancs, ça faisait comme des coupures, des cassures. D'accord. Du coup j'ai dû les refaire. Oh, oui, oui. Mais tu vois, il y avait des grosses villas, des passages secrets, tout ça c'est des mines. Oui, d'accord. En dessous, tu vois ici, sous la ville, t'avais un système, un petit réseau d'égouts. Ah oui, d'accord, c'est propre. Hein. Tu pouvais y aller en bateau, jet ski. T'avais une boîte de nuit qui est au fin fond, là-bas. Si tu veux voir ce que tu peux faire sur Gmod en termes d'éclairage. Et encore, je suis bien loin de ce qui peut être possible de faire. D'accord, oui. Mais je m'étais amusé à faire une map concert. C'est... Ah ouais, stylé. Oh là là, oui, d'accord. Tu peux vraiment faire des trucs. C'est ultra stylé. D'accord. Super classe, ouais. Ok, et tu as beaucoup utilisé Proper, à savoir? Ouais, beaucoup. J'ai fait mes propres fenêtres. Ça, tu vois, tout circuit de karting, là, c'est un props, par exemple. Ah oui, c'est un seul unique props? Ouais. Et alors, parce qu'il m'a l'air grand comme props, et du coup, les collisions, tu laisses faire Proper, parce que là, ça m'a l'air grand, non, pour laisser Proper gérer. Alors il y a des fois, je vais te montrer, par exemple, sur lui, props, arche centrale, arche escalier, je crois que c'était peut-être sur lui. Ah voilà, c'est sur lui. Oula. Tu vois, je me suis fait des rambardes. D'accord. Pour mon manoir. Un gros manoir que j'avais commencé à faire et que j'ai vraiment réduit
par la suite. Donc d'accord. C'est et tu utilises... Je vais te montrer. Ces trucs invisibles. Invisible, c'est ça, on appelle ça, je crois. Ouais. Pour faire tu vois, il me manque des props et tout, okay. Parce que j'ai perdu beaucoup de content. Ouais. J'avais fait un manoir qui était énorme, qui était basé sur Dishonored 2. D'accord. Non, ça c'est le petit. C'est le petit, pardon. Ah, attends. C'est petit, excusez-moi. Ramis. Donc... Bah, il est où l'autre ? Ah, c'est peut-être celui-là. Ah oui, voilà. C'est celui-là. Donc lui, pour te donner une idée, en termes de taille, on n'est pas loin de... Ouais, d'accord. La zone commerciale de Rockford, quoi. Ok. Et il est immense. Beaucoup trop. Ah ouais, d'accord. D'accord. Je sais pas si je l'ai en... Non, je crois que c'est le petit, ça. Oui, ça, c'est quand même imposant, ouais. Hein. C'est... Ah, c'est le petit. C'est celui que j'ai publié sur le workshop, celui-là. D'accord. Ah oui, c'est magistral. Alors, lui, il est tout petit. Ça me rappelle... oui, c'est pour Murder, tout ça, là, non ? Ouais, c'est pour du Murder, celui-là. D'accord. C'est même un... La petite cuisine. Oula. Ouais, il y a toujours de belles ambiances bien lugubres. Et ça éteint les lumières ? Il y en a un qui coupe le courant et l'autre il coupe la pompe à eau, du coup t'as toute l'eau qui monte. C'est pas vrai. C'est énorme. Mais comment t'as fait pour faire une élévation de l'eau comme ça ? C'est une entité. Ah oui. Ouais, c'est une entité particulière qui te permet de faire ça. Tu fais un funk d'or ? Non, c'est un. Un prop ? Je crois que c'est un funk moving funk. Water, un truc comme ça. Hein. Ah ouais, carrément moving water. Ah ouais. L'autre jour, on a vu la dynamic water. Enfin, pour faire une dynamique, une sorte de fontaine. Ouais, ça, c'est la texture. Et c'est oui, t'as l'entité Dynamic Water qui te lance un jet qui réagit à la physique. Oh là là, ouais, ça, c'est... Mais qui est extrêmement gourmand en termes de FPS. J'imagine. Et ça, c'est mon... Ouais, c'est mon petit kiff. D'accord. Et du coup, pour revenir à la collision, tu as fait finalement en invisible la collision... Pour ensuite, par proper, donner le modèle de collision qui est le truc invisible. C'est ça, je vais te montrer. Ok. En fait, quand j'ai fait mon. Tu vois, toute mon arche là. Ouais. Je vais mettre. Si je désactive les broches entités. Ah, je vais masquer ça. Quand j'ai fait tout ça là. Mm-hmm. Quand je l'ai compilé via proper, à cause de. Tu vois. Les tout petits détails, tu vois, c'est des brushes, ouais. Là, ça fait 2 d'épaisseur, hein, c'est... Ah oui, d'accord, oui. Tu vois, c'est des trucs, c'est minuscule. Ah oui, 4, d'accord, oui. 4 au-dessus, j'ai 2, oui, avec des courbes. Bah oui, de quoi terrifier Hammer, quoi. Et la collision, si tu veux, ça partait de là, ça traçait une grosse diagonale jusqu'ici, là. Ah ouais, ça fait un gros bloc, quoi. Et donc quand je suis monté dessus, bah, c'était comme un tremplin, okay. C'était dégueulasse. Ouais. Et donc dans tes propriétés, quand tu convertis ton groupe en proper modèle, tu vois, tu as... comment il s'appelle déjà ? Est-ce que c'est Target Name ? Je sais même plus. Attends. Le Fizz Model. Ah, d'accord, ok. Donc, ton Fizz Model, ça va être un... Là, moi, j'ai mis ça en Funk Brush, que j'ai appelé Collision Balcon Gauche 01. Ok. Donc, pour sa collision, et c'est sur la collision que se base Hammer pour l'éclairage, et pas sur ton modèle.
D'accord. Et ben, tu vois, j'ai simplement pris la hauteur de ma rambarde. J'ai fait le tour. Voilà, juste mon arche, ma ligne droite, mes poteaux, fini. Oh là là, oui. Et j'ai fait pareil pour ça. Et ça m'a permis d'économiser un nombre de brushes. Pour la descente, la descente d'escalier, là, je suis à 141 brushes. Oh, aïe, aïe. Ça, il y en a 160. Oh, aïe, aïe. Tu connais le max ou pas? À savoir. Là, c'était 8192 et c'est passé à 16 000. Ah, quand même. Ils ont doublé. 16 000, je sais plus combien. Ouais. Nice. D'accord. Et tiens, ma map qui s'est fait ban. Oh non. Je suis où là? Je suis dans Skybox. Ah oui. Mais quel dommage. Vraiment, il y a des mecs qui n'ont aucun respect. Quoi. Parce que de la signaler. Bon, ça c'est pris d'une autre map. Hein. Ça, ouais. Ça a été pompé à droite à gauche par. Ouais, bon, on l'a tous fait. C'est pour ça. C'est pas un mal. Hein. Voilà, le mien, mon vaisseau, que j'ai tout refait, vraiment, il est là. Oh, là ouais, d'accord. Et ne vient de la map d'origine que ça. Tu vois les détails sur la coque, là. La grosse blague. Que ça. Et le reste, tu peux prendre Hammer, tu peux décompiler celle-ci, décompiler la map d'origine. Tu peux essayer d'aligner les brushes. Hein. Il n'y en a aucun à la même dimension, qui est taillé de la même manière... C'est dégueulasse. Rien du tout. C'est un Américain qui a fait ça? Ouais. Qui a signalé? Oh, d'accord. Voilà. Typical ouais, American player. Ça, c'est, tu vois, du props fait maison. Bon, les textures, ouais. C'est chopé un peu partout. Mais non, c'est ça qui s'est fait ban. Putain. Quand les boules, hein. Ah oui, d'accord. Tiens. Tu as la pièce où j'ai passé le plus de temps. Ça, c'est du proper aussi. Oh, hein, je les ai fait moi-même. Ça, c'est du props récupéré. Donc, des escaliers de partout. Oh là là, ouais, d'accord. Ouais, c'est incroyable. Le mec cheat sur Hammer. C'est un cheat code. Ah, c'est dingue. Tu peux remonter. Bon, là, t'as la même cage d'escalier. Tu vois. Pareil, c'est du proper. Ah oui. T'es un proper, c'est ça sauve la vie. C'est vraiment... Ah bah sinon... À l'époque, il n'y avait pas eu la mise à jour, donc t'étais limité à 8192. Oh putain. Et ça va extrêmement vite. Ah, tu m'étonnes. Oh là là, oui, d'accord. Ouvrir le dessous. Ça, je m'étais fait chier à faire le système d'ouverture. Tu m'étonnes. J'avais vu une vidéo, elle devait durer au moins 50 minutes, juste pour une sorte d'escalier repliable. Alors ici, tu peux ouvrir le dessus. Là. Oh là là, d'accord. Quel dommage qu'elle soit bannie, quel dommage. Ouais, c'est pas grave, hein. Ils se sont débrouillés autrement, les mecs. Hein. Et tu veux pas retirer ce qui a causé... Très honnêtement, non. Ok. Si tu veux, ça, c'est une map que j'ai faite en 3 semaines. D'accord. Stream à l'appui. J'ai tout fait, j'ai tout repris de A à Z. Et je streamais, donc c'était une commu canadienne. Ok. Je sais pas si elle existe encore. Et ça t'a dégoûté, non, quoi, finalement? Oh non, du tout, parce que moi j'ai pris un pied de ouf à faire ça. Je sais même pas s'ils existent encore, je pourrais même pas te dire. Ah si. Ah ouais. New map, les pauvres. New custom map. D'accord. Bah, à l'époque, ils avaient 5 serveurs à 128 personnes. Ils étaient full 6 jours sur 7. D'accord, ok. Ah ouais. Eh bien, c'est impressionnant. Mais ça, c'est rien, tu vois, c'est des trucs qui sont perfectibles. Comparé à beaucoup d'autres, j'ai pas du tout un niveau de détail suffisant pour dire que c'est vraiment beau.
Ben, je dirais que c'est impressionnant. Enfin, moi, ça m'impressionne. Je vois ça de mes petits yeux. Je crois que c'est tout ce que j'ai fait. Si, j'ai fait des petites modifs, tu vois, pour Lilium. Donc, c'est un pote qui faisait de l'hébergement de serveur et qui avait monté son serveur. Donc, il était connu sur Arma. Et qui a monté sur Gmod ensuite. D'accord. Eh ben, dis donc. Je crois que c'est à peu près tout ce que j'ai là-dessus. Après, c'est des VMF à droite, à gauche. Ok. Donc là, actuellement, si j'ai bien compris, tu restaures une ancienne map, c'est ça ? C'est celle-ci. La rétricité. Ouais. J'avais fait la... celle-ci à l'époque. Qui était d'un dégueulasse, aussi bien visuel que technique, que FPS, que tout. Mais je savais pas mapper, tu vois, j'apprenais... Ah bah c'est normal, alors oui, c'est la première. C'est pas de mal. De toute façon, on a bien commencé quelque part, hein. Mais du coup, j'ai voulu la refaire, parce que je suis... Si tu veux, j'ai commencé Gmod sur la map Rétribution. Mm-hmm. Je suis amoureux de cette map. Et je me suis dit... Allez, celle-là, elle avait bien marché. J'avais eu des bonnes critiques malgré mon niveau. C'était une modif de rétribution. Hein. Ah, là, oui. J'avais refait 2-3... Rien de ouf. Mais elle me parle, cette map. Oui, elle me parle. Bah, c'est basé sur rétribution. Mais celle-là, elle a beaucoup tourné. Hein. Ah ouais, mais ça m'étonne pas, oui. Avec la boîte de nuit qui était là, il y avait un lac là-bas, la prison, il y avait une prison là-haut. Ça, une grosse ça, prison. Là. Ah ouais. Ça, les Dark RP, ça marche comme des types, hein. C'est incroyable. Mais le problème, c'est que bah, tu vois, les envies, les besoins des joueurs ont beaucoup évolué. Ouais. Maintenant, ils en veulent plus. Ouais, ça c'est vrai. Beaucoup plus d'exigences partout. Donc, voilà, je veux faire plus. Et du coup, je reprends ça en me rebasant vraiment sur le découpage des zones de rétribution d'origine. D'accord. Mais en plus. Ok. Ah bah c'est très très propre. Hein. Bravo. Et ça date de 2016. Ok. Donc c'est eh bien, pas, en tout cas, sache que c'est pas ouf. Hein. C'est un plaisir de t'avoir parmi nous. Un vrai plaisir et un réel honneur aussi. On va s'arrêter au plaisir. L'honneur, quand même. Déjà que nous avons. Monsieur tout le monde. Nous avons aussi un très grand codeur parmi nous qui est Cobra Lost, qui a fait son apparition tout à l'heure, qui a publié dernièrement le RP un caractère selector sur Luma Store, qui a très bien fonctionné d'ailleurs. Oh, tout ça, ouais. Je crois qu'en termes d'add-on, je me suis arrêté au menu F4. Hein. Ah! Après, j'ai pris un développeur et je dis, allez, fais... Démerde-toi, c'est... Ouais, voilà. J'ai fait des maquettes pour des mecs, pour qu'ils fassent leur propre menu et tout, mais... D'accord. Non, en code... Ouais, c'est pas... C'est pas le même délire. Tu trouveras largement meilleur que moi, bien plus facilement. Ah ouais. Bon, je crois que je les ai quelque part. Hein. Ils sont où ? Eh bien, petite question entre mappeurs, Didi Dreams, à savoir, quelle est la map qui t'a le plus impressionné, le plus marqué sur l'univers Garry's Mod ? C'est difficile. Ah ! C'est difficile parce que... Il y en a des nouvelles là qui sont franchement ouf. Tu vois, Southside et True North. Après, True North, hein, c'est Statua. Hein. Elles sont vraiment ouf. Après, une qui, pour moi, casse vraiment tout, c'est celle-là. Locality. D'accord. Tant que ça charge, désolé. Ça reste sur le Dark RP, quoi. Ouais, mais vraiment à l'ancienne. D'accord. Krillorino qui dit RP Downtown. Ah bah celle-là, elle a été poncée, archi poncée de tous les côtés. Ah ouais. Alors là, on est sur laquelle ? Sur Locality. Ok.
Je sais même plus, je crois qu'on sort par là. Ok, là il y a le métro, déjà c'est incroyable. Okay. Et c'est vraiment une map qui est minuscule. Tu vois. Ah oui. Tu prends sur la hauteur, elle est minuscule. Oui. Par contre, là où t'as un détail qui est monstrueux, c'est en dessous. Ah oui, d'accord. Et quand tu vois la qualité des égouts et tout, et c'est que du CSS, hein. C'est du propre, c'est de la texture de CSS. Et le mec, il a fait un taf, mais qui est juste... Ah ouais, d'accord. C'est juste monstrueux. Y a pas... Je sais pas comment décrire autrement, c'est... Oui, c'est un travail de titan, quoi, oui. C'est un truc de ouf dans le détail, les échelles, ah ouais, l'utilisation, le placement des props. Ah ouais. Il y a une grosse araignée, je vais juste l'éclater, je reviens. Il y a pas de problème. Eh bien, dites donc, les amis, on en voit beaucoup, hein. On est gâtés ce soir, hein. On est gâtés, hein. C'est bien. Ça permet un petit peu de voir de nouveaux univers. Faut pas tuer. Écoute, quand l'araignée rentre chez toi, techniquement, voilà, c'est... Elle est chez toi, en fait. Donc, c'est de la légitime défense de l'éliminer. À partir du moment où elle est rentrée dans ton territoire, j'ai dit, oui, prenez place, mode demoiselle. Très bien, pourquoi pas, c'est pas mal. Pourquoi pas. Ah ouais. Non mais c'est très intéressant ce qu'on voit là. Hein. Vraiment, c'est très intéressant. Désolé. Re. Et il y avait celle-là aussi, Little Town, qui pour moi, c'est deux maps où... C'est dommage qu'ils ont pas mappé en ce moment. Avec les possibilités du moteur, ils auraient pu vraiment faire un truc de ouf. Ah ouais. J'imagine. Ouf. Oh oui, d'accord. Ah oui, on est déjà sur une... T'as des petits sons d'ambiance. On est sur une c'est introduction. Tout petit aussi, hein. C'est tout petit, c'est les toutes premières maps RP. On n'avait pas de véhicule, on avait quasi rien. Il ouais. Y avait pas de printer, il y avait pas toutes ces merdes-là. Des add-ons monstrueux qui pèsent plus lourd que Gmod lui-même. C'était... nous, on posait une caisse en bois, ça y est, t'étais marchand d'armes avec un F4. Hein. C'est ça. Ah ouais, c'est d'une propreté, d'une finesse. C'est super beau, quoi. Tu vois, les petits reflets, un petit bug là de lumière, mais... Ça déconne pas, ouais. Oh, c'est vrai, c'est... En fait, c'est d'une propreté, c'est incroyable. Et t'as des sons d'ambiance partout. Ah là là, ouais, d'accord. Il y a vraiment un putain de travail. C'est incroyable. Ah ouais. Des mais ça, trucs comme ça, c'est... Ça, c'est d'un niveau professionnel, ça, non? Là, on est sur un... Oui, je pense, oui. Quand même un certain level, hein. Et les mecs, tu vois, c'était du vide. Hein. Ah ouais. C'était du vide. La plupart des bâtiments, à part quelques... Ah, ça, tu vois, c'était... Ah oui. Je sais pas, une sorte de tribunal, certainement, avec ton bureau du maire qui était ici. Oh là là, ouais. Tu vois, avec la grosse cage des... Là, c'était un TP. Et... Ah, d'accord. Ça, c'est un débat aussi. Pour ou contre les TP? Ça dépend. Ça dépend. Ça dépend d'eux. Je dirais pour dans le sens où, admettons, tu fais des égouts. Oui. Mais pour des questions d'optimisation, tu veux séparer tes égouts de ta map physiquement. Tu peux faire une conduite qui descend. Donc, je vais te refaire un pain. J'ai utilisé cette technique-là sur Star Wars. Parfait. Donc admettons, ça c'est ton sol, ça c'est ton plafond du coup. Donc toi tu vas mettre ton TP ici. Oui. Donc quand t'as Jean-Kévin, hein, pauvre de lui, voilà, qui va par là, donc qui veut descendre dans les égouts, mm-hmm.
il va voir jusqu'ici le tunnel. Oui. Tu peux même tricher en faisant un angle. C'est-à-dire que... ah oui, d'accord. Vu oui. De dessus, tu vas avoir ton tunnel qui va être là. Oui. Et Jean-Kévin, il est ici. Ouais. Donc il voit l'angle. Et ton TP, il est là. Donc il va avancer. Il va être TP. Quand il va se retourner, il verra toujours la pente. Par contre, s'il y a un joueur qui descend derrière lui, mais qui n'est pas encore TP, il ne le verra plus. C'est là le problème. Ah oui. Donc c'est pour ça que la plupart du temps, tu triches en mettant ton TP là, dans un angle à 45. Bien sûr, d'accord. Après, il y en a qui utilisent... alors, comment ils appellent ça? C'est du power gaming, maintenant. Donc, c'est utiliser des mécaniques de manière à outrepasser des règles, entre guillemets, du RP. Ouais. Ouais, ouais. Donc, tu peux imaginer que le mec, il va faire gauche-droite, il va straffer, il va tirer des balles, mais il s'en prendra pas, tu vois. Ah oui, d'accord, ok. D'accord, ça, c'est un banter, mais un dégage. Ah et donc oui, tu peux faire ça, le mec il est TP, mais en faisant ça, admettons, toute ta map elle est là, ça c'est toute ta map, avec ta skybox et tout, et tes égouts ils vont être séparés, ouais. Ils vont être dans une autre zone. Ouais ouais. Comment faire pour ne pas bloquer des joueurs au TP Ah oui, parce que quand il y en a au moins deux qui passent en même temps, c'est vrai qu'ils se retrouvent souvent l'un sur l'autre. Et eh ben, ces problèmes, ça en fait, quand tu fais, t'as une entité qui s'appelle l'info player, c'est info player destination, non. Je crois que c'est téléporte, un truc comme ça. Je crois que c'est destination, ouais, info téléport destination, voilà. Eh ben, t'en poses plusieurs. D'accord, on en pose plusieurs du même nom et du coup, il sera TP. Là, admettons, tu fais un brush. Sur un des plusieurs. Ton brush, là, ça va être un trigger téléporte. Avec ta destination. Mm-hmm. Donc, tu peux en mettre plusieurs. Alors, plusieurs du même nom. Ouais. J'ai pas essayé. Moi, ce que je faisais, c'est que je mettais 2 ou 3 TP au même endroit. Et en fait, quand. Enfin, au même endroit, admettons, si on se met de vue de côté. Tu vois, j'en mettais 3 à la suite, comme ça. D'accord. Donc, quand le premier s'activait, il était désactivé pendant. X temps. Dire une connerie, 10 secondes. Ok. Le deuxième, du coup, parce que tu pouvais pas accéder au deuxième étant donné que tu t'étais TP par le premier. Tout à fait, ouais. Le deuxième, pareil. Le troisième, pareil. Et puis après, okay. Avec 3 destinations. Et donc ça te fait utiliser 6 entités. Ouais. C'est que dalle, vraiment. Mais ça te permettait de. Que tes joueurs se retrouvent pas tous entassés au même endroit, qu'ils soient bloqués, qu'ils fassent un ticket parce qu'ils sont bloqués. À demain. Ou sinon, ils lancent une grenade et ça résout le problème. C'est plus rapide comme ça, ouais. C'est sûr que... Ouais. D'accord, ok. C'est ingénieux comme système de TP, mais ouais, ouais, ouais. Donc, il y a sûrement un moyen autre. Moi, je le connais pas, c'est un truc que je fais très rarement. Donc, je faisais ça... c'est la technique du pauvre, hein. Ouais, d'accord. Tu sais, quand tu connais pas tous les systèmes, toutes les conditions, ce que t'as des capteurs de position, enfin de conditions, ouais. Un peu comme en logique combinatoire, et ou alors machin, mais je sais pas faire, donc je faisais comme ça. D'accord. Ouais. C'est ingénieux, ouais, c'est bien pensé. Bon, eh bien écoute, je crois que une salle du trône m'attend. Et pareil, quand tu fais ton spawn de joueur, ouais. Ça c'est un truc que... Donc quand tu mets ton player start, la petite entité, ton petit bonhomme vert là, ouais.
Donc, tu peux faire ça. Mmh. Tu laisses toujours un espace entre chaque. Ok, pour éviter qu'il se marche dessus. Voilà. Ok. Et tu vois là, il est parfaitement collé au sol. Ouais. Bah tu le décolles un petit peu du sol. Ok. Pour éviter qu'il passe au travers, quoi. Ouais, parce que des fois, on sait pas, tu vois. Je ne saurais t'expliquer pourquoi. Entre les latences joueurs-serveurs, machin. Ouais, ouais. Le mec, il spawn, il est coincé. Il a les pieds dans le béton. On sait pas pourquoi. Ça arrive. C'est le moteur. Oui. C'est Gmod. Ah, et pour faire ce que je viens de faire, là, tu vois, tout dupliquer. C'est d'une simplicité... enfantine, tu fais ta sélection. Ouais. Tu déplaces. En maintenant shift. Ok, d'accord. Et ça te permet de dupliquer. Ah ouais, c'est génial. Ok. Un truc très pratique aussi. Tu vois, par exemple, quand tu feras... si tu fais tes angles. Ouais. Plutôt que te faire chier sur ta vue, à être là, à dire putain, faut que je le déplace. Ouais. T'as ça. Ctrl I, L. Ah ok. C'est la symétrie sur l'axe vertical. Okay. Moi sinon je fais Ctrl M et puis après je fais 90, mais c'est peut-être plus rapide comme ça, Ctrl I, Ctrl L. Oui. Moi ce que je vois, c'est que ça m'économise des fractures des doigts, tu vois. C'est ouais, Ctrl M. Le CTRL M, ensuite faut que tu ailles cliquer sur donc soit tu es sur rotate, faut que tu ailles sur l'axe Z, donc c'est 3 fois tab, taper 90, entrer. CTRL I, c'est bien. Ouais, c'est en vrai. Fait. C'est vachement mieux. Ouais. C'est méthode du feignant. Moins t'en fais, mieux c'est. Ah oui, ça j'ai bien répété. Ça. Ouais. D'accord. Ah bah c'est superbe. Il y a un petit outil qui peut te servir. Mm-hmm. Admettons, tu veux travailler que sur ça, que sur cette partie-là. Oui. Mais tu vois, quand tu centres ta vue dessus, il y a tout ton bâtiment, toute ta map derrière. Ouais. Donc c'est chiant. Tu fais CTRL H, tu ne vois que ce que tu sélectionnes. Ok. Tu fais U, tu revois tout le reste. Ouais. Et si tu fais que H, tu masques ta sélection. Ouais, ouais, d'accord. Ouais. Et U te la remet. Ok. Ouais, ça c'est pratique. Hein. Travailler dans le détail et puis en avoir. Et tout. Admettons, tu vois, là t'as ton mur. T'as un mur complet et t'as mis ton props au milieu. Mm-hmm. Tu veux couper plutôt que de redimensionner là. Tu fais Shift X. Donc tu vois, tu passes ton trait là au-dessus de ton props. Mm-hmm. Donc tu vois, tu as une partie qui est en blanc. Oui, qui ne sera pas découpée. Et une partie qui est en rouge. Oui, qui sera découpée. La partie blanche, c'est celle que tu vas garder. Oui. La partie rouge, forcément, va disparaître. Donc si tu refais Shift X, ça inverse. Ouais. Donc le haut va être supprimé, le bas va être gardé. Et si tu refais encore une fois Shift X, tu gardes les deux. Oui. Ce qui te permet après de couper ta gauche, ta droite. Oui, ok. Il y en a qui préfèrent faire CTRL B, enfin Shift B, refaire leur brush et tout. Moi, je sais que j'utilise tout le temps ça. Ouais, je suis de cette team aussi, ouais. Comment fonctionnent les portes à factions sur des Yemods chez RP avec la faction Métropolise? Les portes à factions? Ça, c'est niveau code, non? Je pense que ça doit être niveau code avec des groupes d'utilisateurs. Un peu comme sur le Dark RP avec les permissions, je pense. Hein. Ouais. Ouais, ça, Criorino, c'est partie code. Il faut parler aux codeurs. Parce que ça, en mapping, tu peux pas. Ouais. Tu peux pas le faire. Sur une porte, tu peux juste dire dans les flags est-ce que quand tu démarres, donc c'est quand tu lances ta map, donc ton serveur, est-ce qu'elle est ouverte? Est-ce qu'elle est verrouillée?
Est-ce que tu utilises des poignées? Close, c'est les poignées. Là, est-ce qu'elle est silencieuse? Donc ça, c'est quand tu mets des NPC, donc des IA. C'est-à-dire que la porte ne va pas alerter l'IA. Mmh. Autant dire que sur une map RP, tu l'utilises pas. Oui, c'est sûr. Oui. Et le start breakable, c'est est-ce que tu peux la casser? Ah ouais. Plein de petits détails comme ça, hein, qu'il faut fouiner finalement. Hein. Bah ça t'apprendra au fur et à mesure. Ben oui. Eh bien écoute, Didi, merci beaucoup. Bah avec plaisir, au final c'était juste pour t'expliquer un props et on a dérivé pendant une heure. Mais désolé d'avoir gaparé tout ce temps. Il n'y a aucun problème, sache que ce sera tout est enregistré, donc finalement ça pourra servir plein de monde, je pense. Et donc c'est pour ça, c'est très intéressant parce que je trouve qu'on n'est pas gâté niveau explication. Enfin, si on est gâté, mais peut-être pas forcément tout est très accessible. Voilà. Bah après, t'as Steinman qui stream de temps en temps. LG qui stream rarement mais qui est qui est un gros papa du mapping. S'il y a un truc qui te semble impossible, lui il saura t'expliquer comment le faire. Lui il cherche encore plus à aller plus loin, même pour des trucs qui sont censés être impossibles, il y arrive quand même. Ah ouais, j'ai pu lui côtoyer un furieux. Celui qui a fait Rockford Open et un RP Feudal Beta. Une map. Ouais, Feudal Beta, il a refait une Military RP. Ouais. Je sais même pas, il est pas connecté en plus, là, je crois. C'est vrai que assez extraordinaire, ouais. Il a un workshop, c'est juste un monstre. C'est pas parce que je le connais, c'est juste vrai, faut dire ce qui est. Ah, c'est une référence. Lui, c'est un fanat de Blender, il s'est fait des... C'est modéliser sa moto. GM Balkans, j'avais pas vu celle-là. Ah ben, vas-y. Oh, on m'intéresse fortement ça. Et tiens, en parlant de GM, alors c'est. Je suis dans le workshop GMod là. Attends. Alors, Kellyorino qui marque, peut-on importer des maps venant de d'autres jeux sur Hammer, excluant Source? Que ce soit difficile. Alors, tu peux. En modèle 3D, quoi. Voilà, celle-là. Si t'as l'occasion d'aller voir cette map. GM Fork. Oui, je l'ai visitée. Celle-là, je pense que. J'avais montré en stream. C'est mon top 1. Ah ouais. De map. On avait commencé. J'avais commencé un projet, je crois. Les displacements, tout ça, c'est incroyable. Attends. C'est incroyable. Merde. Projet abandonné. Est-ce que ouais. J'avais commencé à la faire en mode RP. Oh. Ah oui d'accord. Donc à élargir toutes les routes. Waouh. Wow. Fork sans optimiser. Ah ouais, elle est pas optimisée Fork. Bah le problème c'est que c'est une map open qui est extrêmement détaillée. Tu utilises un nombre de displacements qui est... Ah ouais, j'imagine. Tu vois, j'avais pris les screens, manoir avec garage... Oh là, oui, d'accord. Tout ça devait être un gros manoir de luxe, avec son garage à voiture en bas. D'accord. Tu vois, on avait tout tracé. Là, c'était la poste de police. Ah. Bon, c'est incroyable. Les displacements, c'est dingue ce qu'on peut faire. Et je crois que... Attends, il me semble que j'ai encore le VMF... RP Fork. Est-ce qu'elle est où? Est-ce que c'est celle-ci? 22 000 kilooctets, sûrement. Non. Dans l'affaire, non. Alors, elle est peut-être là-dedans. Parce que 22 000 kilooctets, ça fait 22 mégas, non? Ouais. Yes! Ok. Et charge, oh là là, ce programme. Je peux avoir le PC de la NASA, c'est toujours un calvaire. Oui, voilà, c'est celle-là. Donc il manque les textures, je suis désolé pour l'aperçu visuel.
Et tu vois, j'avais commencé à élargir toutes les routes. Oh là là, oui, d'accord. Parce que le problème dans cette map, si t'as été joué avec des potes dessus, c'est que quand tu te croises en voiture, il y a un problème. Ah merde. Y en a qu'un qui passe. Ah oui, d'accord. Ok. Je crois que j'avais commencé par ici. Tout ça, ça avait déjà été élargi. Ouais, parce que j'étais là. Ah, c'est ça, on était sur du 512. Donc c'est ça, c'est deux véhicules. Ouais. Et maintenant, le problème, c'est que cette map, en termes de brush, elle est ultra blindée. Il n'y a pas de... Elle outrepassait déjà les limites. Et encore, le mec, il a... J'imagine. Il a retiré un tas de choses, tu vois, toutes ces parties-là, là, par exemple. Ah ouais, il a... D'accord, il a configuré ces trucs qu'il a retirés. Tout le bunker qu'il y avait en dessous, là. Oh non, il a retiré. C'est quelque chose qu'il n'a pas pu mettre, parce que... Oh, la tristesse. Ça bouffait trop. Ah bah, tu m'étonnes. Oh, le travail, quoi. Oh là là, d'accord. Et aujourd'hui, tu pourrais la faire en mode RP. Parce que, vu qu'il y a eu un... On a le double de brush. Donc on est passé à 16384, je crois, c'est un truc comme ça. Mm-hmm. Je sais plus, je suis... Oh. x2, moins 1. Ouais, c'est ça. Toujours moins 1. D'accord. Original. Parce qu'il prend pas le... Le 16384ème, il prend pas. D'accord. Vivement Sandbox pour le petit. Source 2 pour Hammer, mise à jour. Qu'est-ce que t'en penses, Didi Dreams de... Ben, j'en pense que... Source 2, il devait porter CSGO sur Source 2, mais ils n'ont pas été plus loin. Le seul jeu qui est, à ma connaissance, sur Source 2 actuellement, c'est Dota 2. Mm-hmm. Et SNBox n'est pas sur Source 2, il est sur Unreal Engine. Il suffit d'aller sur le site de SNBox pour le voir. C'est officiel ? Bah, bien sûr, ça fait... D'accord, parce qu'il me semblait qu'ils avaient fait un plot twist en mode... En mode, ben non, finalement. News. Lockdown progress, ok. Devblog 8. Oui, oui. Il compte changer suite à un poll Twitter, non? Tu vois, ma petite or in-game, ça c'est Unreal Engine. Ouais, ça c'est Unreal Engine. Ça c'est le Devblog 6? Devblog 6, ouais. Ouais. Y en a un plus récent ou pas? Ou c'est plus récent, ça va. Oui, je pense, parce que ça date de 2017. 2020, Lockdown Progress. C'est quoi ça? Oui, oui, oui. HUD, chat. Ah oui, ça devient sérieux quand même, leur truc. Exploring Panorama. Ça, c'est les codeurs qui vont se faire un régal. Ah oui, d'accord. Qu'est-ce que ça va donner à savoir, ce jeu? Je sais pas. Franchement... Ah, il y a le 7, peut-être. 7... Ouais. Qui est de 2018. Ouais, ils avaient testé le... Ouais, ça. Le mode 2, c'est... Secrètement HL Alix. Ah ouais, on est sur Unreal Engine, hein. Oui, oui. Ah oui. Oui, complet, hein. Bah, tu as un plugin pour Unreal Engine, c'est Amuer. C'est pas vrai. Et alors moi, je l'ai acheté. Ça fonctionne très très bien, mais c'est une galère à config. 42$. Ouais. Ok. Est-ce que... Et ça permet d'avoir une interface Hammer ? Non, ça te permet de prendre ta map Gmod et de la foutre sur Unreal Engine.
Ah ouais! Mais ça, c'est génial! Ça veut dire que les serveurs Garry's Mod pourront très bien se transporter sur le sandbox. Oui, oui, tu peux prendre Rockford, la balancer sur... J'avais trouvé une vidéo, est-ce que c'est sur son site? Le mec te montre vraiment le... Mais c'est génial, alors ça veut dire que les serveurs pourront très bien faire la transition. C'est extraordinaire, ça. Ouais, mais le problème, c'est que... Une map Gmod en mètres carrés, c'est... Tiens, voilà. C'est trop pour ceux qui ont joué à Half-Life 2 Lost Coast. Voilà, pour ceux qui ont joué à Half-Life 2 Lost Coast. Voilà, ça, c'est l'export. Donc, c'est du Hammer, hein, de base. Hein. Ah ouais, c'est du Gmod. Hein. Et là, donc, on est sur Unreal Engine. Non, on est sur Unreal Engine. Tu vois le perso, pour ceux qui ont déjà bossé sur Unreal. C'est le perso que tu as de base. Hein. D'accord, ok. Donc, c'est de la... Tu vois, là, l'entité, là, le Logic Relais. Ça, c'est une entité donc, qui vient de Hammer, mais qui n'est pas connue par... tu vois, on en voit plein derrière, là. D'accord. Il y a un Logic Relais, il y a un Logic Compare aussi. Oh, c'est incroyable. C'est incroyable. Hein. L'environnement est dingue. Et ça, c'est exporté. C'est les mêmes textures. C'est... Putain, bon, c'est... l'éclairage, tout un tas de choses à config pour avoir ta... On va dire ta conversion en termes d'éclairage. Ouais. Et après, tu rebosses dessus. Tout est importé sous forme de mesh. Donc, tu imagines un mesh sur Unreal, c'est comme un props. D'accord. Donc, si tu fais un fun détail qui regroupe tous tes trottoirs, par exemple, ça sera un seul mesh. Donc, c'est à toi, quand tu fais ton export, de bien faire attention au groupement d'objets et tout, parce que tu peux être très vite niqué. D'accord. Tester et approuver. C'est dingue. Ah ouais, ça peut tout faire niquer. Ben, le problème, c'est que si tu veux faire une modif, ah oui. Et ben, tu modifies un mesh qui fait tous tes trottoirs, par exemple. Ah oui, d'accord. Tu vois. Ah oui. Ça veut dire qu'on va pouvoir faire cette exploitation, mais sans modifier. Enfin, on pourra pas trop modifier, quoi. Bah, tu pourras modifier, mais faudra. Faudra passer par d'autres programmes. C'est très vite une galère si tu fais pas ta préparation en amont sur Hammer correctement. D'accord. Ah ouais, donc et après tout ce qui est tout ce qui est système, donc ouverture de porte, etc. Ça c'est pas importé. C'est à toi de le refaire sur Unreal. D'accord. Donc, tu vois, ouais, c'est pour ça qu'il se met en no-clip, là. Ah oui, c'est assez impressionnant. Mais du coup, ouais, c'est qui tout double, hein. C'est soit on... Ouais, d'accord. Ouais, ok. C'est super intéressant, et là, je savais pas du tout, et franchement, je suis sur le cul. Ah ouais. Alors, il marche très très bien. Bon... Je l'ai pas utilisé depuis un sacré bout de temps. Je pourrais pas te dire s'il fonctionne avec les toutes dernières versions d'Unreal. Ouais. Mais à savoir, ils entretiennent ou pas leur application, ou c'est abandonné? La dernière version date de quand? Hammer pour la 4.17 et actuellement on est sur quoi? La version du moteur, on est sur la 4.25. Ah oui, d'accord. Donc bon, après la plupart du temps c'est rétrocompatible, mais oui, ça fait loin quand même. Ah, mais ça commence d'en bas, en fait, d'après ce que je vois, non? Ouais, là, le dernier... Hammer, juste au-dessus. La dernière version, 2.1,
Pour, 4, pour la 4.25, oui. Oh là là, mon dieu. Tiens, okay. Il est temps que j'aille me coucher. Donc 4.25, donc, oui, c'est laquelle la... alors bah, c'est la dernière. Oh. 4.25.3. C'est merveilleux. Donc il est suivi et tout, quoi. Ah, ça, c'est superbe, par contre. Tu vois, je crois que le mois prochain, ça, ça y passe. Direct. Mais c'est une galère à compiler. J'arrive. C'est un petit PDF qui fait quelques pages. J'arrive pour toi. J'arrive. Qui est nul à chier en plus. Mur plugging. Tu vois ta doc. Tu vois, je vais même pas télécharger les dernières. Je me suis arrêté à la 98. Charlotte. T'as une doc de 14 pages qui est. Merci Clément. Salut à toi. Très mal rédigé. T'as des screens, mais. Alors on dit, bah voilà, ton VMF il va là, faut que tu fasses ça, ça, ça. D'accord. Mais c'est très mal foutu. ça fait un peu scolaire. Je te conseille très fortement de pas faire comme moi et d'essayer d'importer des maps style Rockford, etc. tout de suite. Ouais, j'ai fait une petite map bidon. Non, moi je vois pas l'argent, une maison. Pour vraiment être sûr que. T'exportes bien, enfin t'importes bien les textures au bon endroit avec les props au bon endroit et tout. Pour me familiariser quoi avec l'application. Ouais. Parce que Rockford avec mon pros c'est 15 minutes. Tu vois, c'est. Ouais. Pour d'autres, super. Ça pourrait être une heure quoi. Super, super. Bon. Eh bien, Didi, je vais te laisser. Bah oui, je vais te laisser aussi à ton stream. Je vais continuer à regarder. Eh bien, merci beaucoup. Si j'ai des questions, je n'hésiterai pas. Ou alors, à moins que ça te dérange, dans ce cas, je comprends tout à fait. Non. J'irai consulter plus tard, hors live, le site que tu m'as envoyé, qui m'a l'air bien, bien complet, et avec grand plaisir. Du coup, merci beaucoup, Didi Dreams. Ce fut un pas vrai de quoi, plaisir. Et à de suite. À de suite, tout à fait. Merci encore. Ciao, ciao. Ciao. Voilà, bon, du coup, qui c'est que je dois remercier ? Radio Bière, merci beaucoup pour tes 4 euros, très généreux, bien entendu. C'est totalement gratuit, enfin, pas pour toi du coup, mais je trouve que, voilà, ben, merci beaucoup. Et merci encore mon petit genou, t'es le boss en fait. 4 euros, c'est un kebab, tout à fait. Voilà, Radio Bière, tu es sur la communauté à Nouvelle-Op peut-être ? Je ne sais pas, donc dis-moi dois-je mes remerciements. Du coup, Didi Dreams, extraordinaire. Oui, chez Fonda, super, ben, merci beaucoup. Didi Dreams, absolument incroyable, c'était très très complet, et je ne pensais pas qu'on allait autant apprendre comme ça, c'est juste génial. Donc on va vite fait continuer un petit peu la salle du trône, de manière bien tranquillement. Là, vous avez la liste de ce qu'il nous reste à faire, ce qu'on va faire, tout simplement. Et puis voilà. Et donc, finalement, je pense que j'avancerai un peu offline. Tu vas voir dans le général. Je peux y aller tout de suite, même. Général. Alors, attendez. Parce qu'il faut que je modifie le titre quand même. Parce que sinon, on va me dire que c'est mensonger. Voilà. Tac. Ok. Alors, général. Où est-il ? Oh, John est actuellement là. N'hésitez pas à aller le soutenir. Merci beaucoup. Soutenir avec un petit follow. Merci beaucoup, Maz. C'est très très gentil de ta part. Merci beaucoup. C'est très très sympa. Ok. Alors, nous avons. Donc, la salle du trône, on sait où la mettre. La chambre royale aussi. La chambre classique aussi. Les cachots aussi, et les oubliettes aussi. Ça, on sait. D'ailleurs, le pauvre PC. Ça va, je suis au calme. C'est parfait. Finalement, donc, voilà. Pour positionner un petit peu les événements. Bon, j'ai posé un pauvre tabouret. J'avais commencé la 3D avec un PC de
Coup dur. Merci, Oyos, du suivi. Allez, moi je vais aller, je vais devoir m'appeler. Bonne chance et bon stream à tous, jeune président. Merci beaucoup. Ciao, ciao, Radio Bière, merci. Ok, donc, salle du trône. WC à ne pas oublier. Ah, Rockford 6 heures de compile. Ah ouais, ça c'est... Aujourd'hui, 10 minutes. Ah oui, d'accord, ok, c'est pas pareil. Les WC. Alors, les WC. On va faire sur la place publique, à la limite, hein, le roi qui défèque devant le peuple. Salut, Wolfie. Bon, disons que c'est pas non plus... des latrines, tout à fait. C'est bien vrai. Disons que... Terme d'époque, c'est bien vrai. Ah, étirement, merci, Wolfie. Disons que c'est pas non plus... comment dire, le plus important, les toilettes. Franchement, dans le RP, en fait, j'ai rarement vu des RP en mode excusez-moi, je vais aux toilettes. Je crois que j'ai jamais vu, même en RP. Peut-être une fois, peut-être, mais vraiment. Au Moyen Âge, j'avais pas de WC, c'est vrai, oui. C'est... Mais c'est vrai que même dans le contexte RP. Merci! Radio Bière, 1 euro. 4 plus 5 égale 4 plus 1, 5. Kebab, bon appétit. Merci beaucoup. Merci pour le kebab. C'est super sympa. Sauf dans Game of Thrones. Oui, tout à fait. Hashtag Lannister. Aïe, aïe, aïe. Dure tragédie. Là, t'as kebab plus frites, mais boissons. Tout à fait. Allez, bonne soirée. Merci Radio Bière encore. C'est super sympa. Merci beaucoup. Oui, tout à fait. Frites maison, ça y est. Dans le contexte RP, personne ne dit je vais pisser. Au Moyen-Âge, c'était un saut. Me plaît, pot de chambre, c'est vrai. Voulez-vous que je vide votre pot de chambre? Aïe, aïe, aïe. Bon. Alors, je vais donc imaginer un peu les pièces. Alors là, le truc, c'est qu'on a une salle des trônes très simple. Un design très épuré. Alors on peut dire que c'est une salle des trônes, c'est contemporaine finalement, mais non, 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 on va essayer de garder un peu l'esprit de l'époque. Juste, on va aller voir un petit peu. On va aller prendre des idées. Non, une latrine. Salle du trône. C'est vrai. Alors on va essayer de s'inspirer d'un truc. Bon, la salle du trône n'est pas forcément gigantesque. On va prendre la salle du trône du château de Fontainebleau. De Fontainebleau, pardon. Une sorte de cave et une cheminée. On va faire des oubliettes et des prisons. Une zone vu qu'il y a TikTok, c'est l'enfer. Voilà, on va faire un peu dans ce design-là. Alors, voyez, elle n'est pas très grande non plus. Hein, parce qu'il y a des murs, mais il y a de la lumière. Bon, là, il y a une grande fenêtre, nous, ce qu'on ne pourra pas avoir. On pourra mettre quelques vitraux, quoique si, à l'arrière. Finalement, à l'arrière, on pourra mettre des trucs. Je pense qu'on a des petits vitraux ici. Et évidemment, un rideau, le trône, des petites assises ici, très simple. Le lustre qu'il faudra qu'on trouve aussi. Tu sais, quand tu rentres, jamais tu sors. Et oui. Des beaux chandeliers ici, très bien. Et ainsi que... Voilà, on va... Alors, je vous avouerai que pour faire ce style-là, sur Hammer... ça va être techniquement un peu compliqué. Bon, disons que là, on est quand même sur un design assez de bonne époque, hein, quand même. Hein. On est sur un design de très bonne époque. Hein. Nous, on est encore limite à l'âge de pierre. Hein. Vraiment, on va garder un peu cette idée-là, mais on va garder la pierre. Hein. Un cylindre, deux arches, un escalier. Oui, oui, tout à fait, oui. Un cylindre, deux arches, un escalier... nous déjà ce qu'on est sûr de faire, c'est une mise en valeur de cet endroit là. C'est-à-dire merde, elle est où mon image? Elle est là. C'est-à-dire déjà ici on a une petite montée quand même. Hein. On a une petite montée de 3 marches. Merci Zayden, très cher confrère. Très cher confrère. Par contre attends, les proportions. John t'es pas prêt mon sauce. Point important.
Alors, les proportions, je me t'ai fait un petit plan. J'étais parti sur qu'un joueur faisait 2 mètres. Et j'avais calculé le nombre de cases, tout ça. Et j'avais fait les proportions en fonction de ça. Pour faire l'extérieur. Et je m'étais basé du coup sur les plans du château de Niort. Ah! Attends. Baselisk. Tu n'étais pas prêt, mon sauce. Pourquoi Radio Bière, qu'est-ce qui se passe? Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Dans les dimensions G-Mode. Alors attends. Un étage est égal à 128. Tu verras, tu verras. Ok. Mais pourquoi pas? Je verrai, je verrai. Je vous annonce que nous avons atteint les 71 followers. Merci beaucoup! Merci infiniment. C'est très très gentil. Les textures s'alignent parfaitement sur du 128 en 0,25 de scale. D'accord? Très bien. Donc un étage est égal 128. En 192, tu passes sur du 0,375. Ok. Attendez, il faut bien qu'il mange le monsieur. 256, supérieur à 0,5 de scale, etc., etc. D'accord, ok. Je crois avoir compris les proportions. Tout dépend de la texture après, ok. Attendez, faut juste que je fasse pour notre cher confrère, là, où est-il? Zayden TV. Donc, ton mur... Voilà, le confrère est reconnu. Tu veux un effet de grandeur, passe-le déjà en 256 de hauteur. On passe du menu kebab à entre quoi c'est 3 viandes, on rigole pas. Paye de 0€, c'est bête. Attendez, il se passe pas mal de choses là, actuellement. Alors attends. Alors Didi Dream, ok. Donc là tu me parles de ce mur là. Dans l'enfant, juste au-dessus, tu verras, c'est déjà énorme. Alors. Si tu veux un effet de grandeur, passe-le. En 256 de hauteur. Alors. Ton plafond ajuste au-dessus. Tu verras, c'est déjà énorme. Ton plafond ajuste au-dessus. Ton brush, pas la texture. Mon brush. Ok, mon brush. Ouais, le truc, c'est que c'est le brush de l'extérieur aussi. C'est-à-dire du mur de l'extérieur. Tout à fait. En fait, si tu veux, j'ai fait la hauteur des murs et la largeur. J'ai fait une échelle des proportions, en fait, en me basant sur la taille humaine. Disant, nous faisons 2 mètres. Et c'est-à-dire que j'ai repris les plans du château de Niort. En disant... comment dire? En disant... c'est pas un multiple de 128. D'accord. Il faut que ce soit un multiple de 128 ? Ok. Bon. Je vais faire les marches. Je vais faire la petite marche d'abord. Je vais faire les petites marches. Okay. Non, sûr. Ça va. Il me faut du temps, comme j'ai dit, je suis un slow runner. Attendez, je crois que j'ai pas les bonnes lunettes là. Merci.
Merci beaucoup, Chris Forex, pour ces 70 balles. Écoutez, je vais arrêter le live. Je m'achète un billet aux Bahamas et bien voilà, je reviendrai quand je voudrai en fait finalement. Donc, écoutez, voilà, merci, merci beaucoup, Chris Forex. Mais qui es-tu? Qui es-tu, individu? Easy, merci mon roi pour la map. Tes proportions. Didi, là j'essaie de faire au mieux. J'essaie de gérer. Merci pour le subprime. Qui est-ce qui a fait le subprime? Subprime Twitch Zenoruné. Merci beaucoup. Parce que tu démarres, c'est la base. Oui, il faut que je prenne un multiple de 128 pour faire mon pur. T'inquiète pas, Didi, je pense avoir compris. Mais là, si tu veux, je suis dans un état, comment dire, d'après-choc. Et c'est-à-dire que cet état-là ne me permet pas, actuellement, de... Ok. Alors... Attendez, même pas. Attendez, j'ai pas mal de choses à dire. C'est Elliot, Dufiac l'admin. C'est incroyable. Ok. Tu reviens Discord. Attends, pas tout de suite, Didi. J'ai raté, il t'a donné combien? Il m'a donné actuellement 70 euros. Ah, ouf, Zayden qui sait. Un mois de loyer Twitch. Alors attendez, parce que Twitch. Xenoruné, merci pour ton Twitch Prime, c'est très sympathique. Ou ton Prime Gaming, devrais-je dire. Je ne sais plus. Oui, c'est ça, c'est Prime Gaming. Je peux me faire bannir à cause de ça. Du coup, c'est incroyable. Du coup, c'est absolument incroyable, parce que 70 euros, c'est quand même une somme très conséquente, avec laquelle je vais pouvoir m'acheter plus d'un kebab, en effet. Et c'est-à-dire que il faut que je trouve un multiple de 128 très rapidement, si je veux pas me faire taper sur les doigts. Non. Merci Radio Bière. C'est un euro. Merci beaucoup. Oh, bisous. Alors attendez. Si je comprends bien, si je fais 640, si je fais un mur en 640, Didi, est-ce que ça va? Ok Didi, j'arrive. Mais il se peut, Didi, qu'à tout moment je me mute, parce qu'il se peut se passer quelque chose d'incroyable. J'ai l'impression que ce soir, on est dans la soirée de tous les délires. Salut à toi, Didi. Je suis dans un choc émotionnel assez important. Es-tu avec nous, Didi? La carte en sueur, mon banquier m'appelle. Attention, quand même. Non, mais, enfin, donnez si vous pouvez, quoi. Désolé. Oui, re-Didi. Bon, Didi, j'ai besoin un petit peu de me reconcentrer là, parce que je suis assez perdu. Ouais, je vois perdu. Que t'es assez dissipé là. Oui, j'ai besoin d'un professeur là, j'ai besoin d'être encadré. Ça va plus, un mur à 652, l'autre à 640. Alors, dis-moi si déjà, si je fais un mur à 640, c'est bon ou pas? Eh ben, regarde, tu fais... Attends, je vois pas t'en partager quoi. Tu fais Windows calculatrice. Si tu fais 640 divisé par 128, tu tombes sur 5. Donc t'es sur un multiple. Donc ça va. Merci Radio Bière pour tes euros. C'est pour les fans. Merci. Mais c'est pas possible. Alors du coup Didi, j'ai sorti la calculette. La calculatrice. Ah, ton 640 divisé par 128 est égal à 5. Donc t'es sur un multiple rond. Merde. Par contre, ton mur, là, 652, je crois, c'était ça, divisé par 128, t'es sur du 5,09375. Donc c'est un truc tout droit sorti de l'espace, c'est un truc à absolument ne jamais faire. Oui, pardon. Et ton erreur, même s'il y a la webcam devant, je l'ai grillé de suite, je vais te montrer en partage d'écran, c'est ce que tout le monde fait en connerie.
me tape pas. Mais non. T'inquiète. Ça fera mal que les deux premières minutes. Après, oui. Tout se passera. Attends, ça peut être très ambigu quand même comme phrase. Merci singe pour manger. Du coup. Alors, je vais me mettre en Nodro. Ah, ça, j'ai ce réflexe. Donc déjà, c'est bon. Je considère que j'ai acquis cette notion. Tu vois en bas de ton écran ici, là. Oui. En bas à droite, c'est marqué Snap on Grid 64. 64, tout à fait. Je pense que toi, vu ce que tu fais, dois être à 1 ou 2. Oui, tout à fait. Alors ça, tu ne le fais jamais. Merci, Zayden. Ah, je mets en combien? Tu te mets au minimum. Alors, quand tu fais tes murs et tout, tu peux te mettre à 8. Alors, je vais t'expliquer pourquoi. Minimum 8. Grand minimum 8. Ok. Là, je suis à 64, donc ça va pas aller. Je vais mettre à 8. Parce qu'un mur d'épaisseur pour tes portes et tout, 8, c'est bien. Ça n'arrête pas, Didi. Là, je savourais que je suis... Merci. Aïe. Donc tu fais du 8 par 256. Ok. Crée l'objet. Je me suis niqué moi-même avec un raccourci à la con. Mais oui, je peux même plus stream là. Il se passe quoi là? Oh. Laissez-moi faire mon job. Ah, c'est quoi le raccourci? Voilà. C'est Shift W. Donc, tu vois, là, de vue de dessus, t'as un mur qui va faire... Je suis en top. Bon, faut qu'il fasse 500. C'est vrai que mon job, c'est faire du fric. Alors, merci, c'est bon. Donc là, 64, c'est énorme. Hein. Ok. Si t'ajoutes un sol en dessous... Donc, 64 d'épaisseur, c'est un mur blindé. Et si t'ajoutes, regarde... Un joueur par rapport à un mur qui fait 256 de hauteur. Je vais te mettre une texture. Merci beaucoup Seb pour ces deux mois, pour ces deux abonnements offerts. Ça te donnera une idée. C'est incroyable. 4 abonnements offerts au total. Merci beaucoup Seb. C'est super. C'est trop gentil. Donc tu vois, la texture scale. Ce bienvenue, que je te disais, 0,25, 0,375, 0,5. Merci Agmar scale pour 3 euros. C'est dingue. Encore en PLS. Ce soir, c'est la soirée. Hein. Là, je suis tombé, Didi. Les gens sont on fire. C'est ça, là. Oui. 25, 0,375, etc. Ouais. Donc, tu vois, là, je suis 0,25, c'est ouais. Ton scale par défaut. Oui. Donc, pour un mur à. C'est quoi cette expression, 128, mon sauce? Tu vois. Sérieusement. Par rapport à un joueur. Ok. Et là, c'est mis à combien, là? Là, ton mur, il fait 128 de hauteur. Ouais. Et la texture, la taille elle est à combien? C'est 72. À 0,25. C'est la taille par défaut. Ok, d'accord. Et comment t'as fait pour la faire parfaitement coller au mur, là? J'ai manqué cette étape. Oui, enfin, je veux dire, pour bien la cadrer. Merci. 0, 0, aligné au world. Ok, d'accord. Ça te l'a cadré toute seule. Alors, le Align to World, tu vois sur ta grille. Ouais. T'as une ligne. Merci beaucoup, Seb, pour ce sub. Quoi. Tu vois sur ta vue, de côté. Tu vois sur ton quadrillage, t'as deux lignes bleues. Crylorina est payé pour un ban de tempo, si vous payez bien modo. Voir via Discord. T'as une croix bleue. Oui, ça je la vois. Donc, ça, tu te dis, c'est ton niveau 0. Ouais. C'est le sol de ta map. Mmh. Ok, d'accord. Donc là, t'as un mur à 128. Je vais me remettre sur une grille à 64. Donc tu vois, là, je l'ai monté à 256, donc ce qui équivaut à un immeuble, enfin à deux étages. Après, tu montes à 384, c'est trois étages. Etc, etc. D'accord.
quand tu le passes déjà à 256... Ouais, c'est conséquent. Là, tu te mets à 0,5. Tu tapes 0,5, hein. T'es pas obligé de taper 0,5. Ouais. Juste 0,5, ça suffit. Ok. Tu vois, 0,5, t'es déjà là-dessus. 512 pour une pièce, hein, c'est assez monstrueux aussi, hein. Un truc de 512 par 512 par 512. T'as vu la taille de ton joueur au milieu de ça? Tout à fait. Putain, mais ils veulent que je me pète le dos ou quoi, là? Oh! Pas possible! Aïe, aïe, aïe. Ah oui, c'est grand, là, déjà, hein, quand même. Hein. Est-ce que tu mets un... Merci Agmar pour tes 2 euros. J'ai glissé le champ, je reviendrai. Très bien, donc la chaise. T'as vu la taille de ta chaise par rapport au mur? En effet. Donc ce que tu veux faire en termes de trône? Ouais. Il paraîtra tout petit, quoi. Voilà. Donc toi, ça c'est la taille de ton joueur. Un joueur c'est 72. Une hauteur de porte c'est 104. D'accord. Tu vois, ton calcul de conversion centimètre-pouce, c'est pas nul, hein, c'est une très bonne idée. Le problème, d'accord, c'est que t'es en pouce, dimension, Garry's Mod. Donc c'est encore autre chose. Ouais. Je prends note. C'est égal, joueur. Voilà. Et toi, t'avais fait 652? Ouais. Pour ta hauteur sous plafond? Hauteur sous plafond, je... Attends. C'était... ouais, c'était la hauteur de ton mur. Ouais, hauteur de mon mur, mais après, vu que c'est mur extérieur... Ouais, vu qu'il était dehors aussi. Mais le problème de ce que tu fais là... Tu vois, toi, tu te fais un gros château, là. Ouais. Il est joli, non? Oh, j'ai pas dit le contraire. Yes! Oh là là, ça m'a droit au cœur. Avec, admettons... tiens, des... comme ça. Cylindre à 16 côtés. Tu vois, avec tes tours. Oui. Le problème de tes murs, qui font 650 et quelques. Ouais. Quand tu vas appliquer ta texture extérieure, toi, t'as pris une brique. Ouais. Voilà, une brique à la con, on s'en fout. Le problème, c'est que tout ton mur, il est pareil. Oui. Tu fais... Je vais chercher... une autre brique. Le problème, c'est que ta base de mur, ton milieu et ton haut, ils se ressemblent. Faut pas que tu fasses la même texture. Je t'explique. Merci Seb encore pour ce sub offert. C'est incroyable. 6. On va la mettre à 0,5. Donc là, si tu fais ton bas à 256. Ton milieu, il en a une autre. Ouais. Ton haut, il en a une autre. D'accord. Tu vois, t'as un effet beaucoup plus réaliste. Ouais, tout à fait. Ouais. Sauf que ça, sur un seul brush comme tu l'as fait, tu peux pas le faire. C'est impossible, ouais. Donc ça, on redilate. Ça, on... hop. On est à peu près comme ça. Du coup, on fait pareil sur les cylindres. Tu vois le Shift X que je t'ai montré tout à l'heure, ouais, qui prend tout son sens. Tu découpes. D'ailleurs, ils sont même pas alignés sur la hauteur. Et là, ton truc qui sera nickel. Là, ton château, par contre, tu vas être
vraiment au top. Ok. Et tu seras pas emmerdé par tes textures extérieures, tu pourras vraiment faire le détail que tu veux, parce que là, comme t'es parti, ouais. Quand c'est... tu vas commencer à vouloir vraiment détailler ton extérieur, ce sera trop uniforme. Comme t'es parti, vu ce que tu prends en termes de photos et tout, je pense que tu vas être pointilleux sur le détail. Ouais. Tu vas dire, putain, je trouve pas la texture qu'il me faut, ça me saoule, tu vas faire des recherches Google pendant des jours. Pour au final, c'est juste un problème de brush, quoi. C'est vu que t'as pas divisé tes étages, okay. Tu pourras pas appliquer plusieurs textures pour avoir cet effet-là. Merci pour ton radio. Et alors, découper les murs comme ça posera pas de problème après, non? Non, c'est... En fait, ce que je viens de faire, là... Ouais. Donc, tu vois... Faire ça. Donc, mon Shift X, là. Donc, tu vois, là, j'ai 3 murs différents. Oh, merci beaucoup. Ça revient au même que de créer le premier, puis en créer un deuxième, etc. Il faut pas se projeter. C'est fou. Tu vois, ce qui me fait deux murs. Je recoupe. Trois murs. D'accord. Sauf que tu refais pas Shift B à redimensionner et tout. Ça reprend le mur de base que tu recoupes. Ok. D'accord. Tu savais okay. Comment faire les cylindres et tout, tu sais faire ? Oui, ça, il n'y a pas de souci. Ça, c'est bon ? Ouais, mais c'est vrai que la proportionnalité, finalement, moi, je m'étais fait dans mon délire et tu vois, t'as bien fait de me le dire. Ah bah là, tu pars... Ouais, bah, je vais tout refaire. Tu pars droit dans le mur. Ce soir, je reprends tout, tu vois. Je suis motivé. Ce soir, je reprends tout. Je vais faire ça offline, hein. Désolé les mecs. Et en termes de proportion, c'est... C'était parti dans un truc là qui est... Ouais, ouais. Alors, c'était... Je vais te redonner une taille. C'était parti d'un bon sentiment, mais voyez-vous, hein, j'ai merdé. Je vais faire une vidéo explication sur YouTube. Non, je déconne. Pareil. Je vais te montrer un truc, oui. une mairie que j'ai faite. Je suis prêt à noter. Hein. J'ai pris des notes. Hein. J'ai noté 72 joueurs, 104 portes. Tu vas t'apercevoir, donc là, tu vois mes murs. Mm-hmm. Ici, tu vois ma hauteur sous plafond. Bon, fais pas attention aux textures. Oui. De mémoire, j'ai 192. Donc, ce qui équivaut à un étage et demi. Ok. Puisque un étage, joueur, c'est 128, c'est ça. C'est 128. Ok. Tu vois, par rapport au joueur, hein, c'est tout petit. Hein. Ouais. Enfin, le joueur est petit à côté. La mairie au total, en longueur, elle fait... 1344. D'accord. Je suis pas sur un multiple. Là, c'est plus compliqué parce que c'est un alignement aux trois quarts. On verra un autre jour pour t'expliquer ça. En L en plus, oui. Donc, tu vois, en 1344 par 1344. Je vais te montrer in-game la dimension que ça donne. Et tu vas comprendre que ton mur de 652 de haut, c'est énorme. 652 de haut, c'est à peu près la taille de ce building-là, tu vois, il fait 640. D'accord. 656 avec ça, avec le détail au-dessus. Tu vas voir, in-game, la proportion du truc, t'aurais fait ça, tu poses une chaise au milieu de cette salle, la chaise, ça semble être une fourmi. Hein. Ça se voit, ça se voit actuellement. c'est un tabouret, c'est pas un trône, mais... Wow. Et c'est avant que tu ailles plus loin et que tu te plantes en te disant merde, qu'est-ce que j'ai fait, les props ils sont trop petits ou. Je préfère te le montrer avant. Mm-hmm. Tu vois, toi, ta hauteur sous plafond que tu voulais faire, c'est ça. Ouais. Donc là-haut, t'as 656, c'est ça qu'on avait dit ? 656. Ouais. Là-haut, hein. Au bord noir, là. Mm. Donc, t'imagines ta hauteur sous plafond dans la salle du trône. Hein. Bah, oui. Toi, t'es là. Hein. Tout à fait, ah oui. Bonne nuit, Zayden. Merci beaucoup, cher confrère. Et tu vois, un 192 de haut,
la dimension déjà que ça te donne. Oui. Ah oui, oui, c'est déjà... Et tu vois, là, je marche, je suis bien en mode dark carpet et tout, je fais que marcher. Hein. Ouais. Pour traverser tes 1300, tes 1300 de long, bah, tu mets un petit bout de temps quand même, quoi. Ouais, c'est sûr, ouais. Bah, je vais retravailler ça ce soir. Enfin, du moins, demain matin, parce que je vais pas tarder à me coucher. Et dans le lien que je t'ai donné... Oui. Sur le truc, la site du zéro, une map, alors attends, je crois que c'est là. Tu as un truc qui s'appelle, je crois que c'est ça, les dimensions dans l'œil. Voilà. Au système métrique. Ah, super! Donc tu vois, ils te disent que 128... Donc, est égal à 2m40, oh, donc un mur d'un étage. D'accord. Donc, la 4, la hauteur d'une bordure. Donc, 4, c'est vraiment infime. T'as déjà joué sur Rockford ? Oui. Pour te donner une idée, l'épaisseur du trottoir sur Rockford, c'est 8. D'accord. Okay. Comme les marches d'escalier que j'ai faites là, à 45. Là. Ok, elles sont d'une hauteur de 8. Ça, c'est 8. Ok, d'accord. Et alors, quand tu vas faire tes marches, petite astuce aussi, donc tu te mets, bah, tu diminues ta grille, tu te mets bien à 8. Mm-hmm. Donc, tu fais ta marche, 8 par 16, hein, c'est suffisant. Merde, je suis encore en mode cylindre. Ça, c'est chiant, je me fais toujours avoir, moi aussi. Donc, il nous mettait des faces. Là, tu passes en mode vertex, donc mm-hmm. en faisant Shift V. Tu bouges l'angle là pour te faire un triangle. D'accord, ok. Ça te dit merge, donc est-ce que tu veux les fusionner ? Ouais. Tu mets oui. Admettons, tu veux gravir une hauteur de 32. Mm-hmm. 32, c'est bien. Tu fais ta première marche. Donc, il va faire, 256. Tu places ta texture dessus. Step. On va mettre ça. Pas celle-là. Et une fois que tu as fait la première, tu mets sur ta vue de côté. Et tu fais ton shift déplacé là. Comme je t'ai montré. Ah oui, d'accord, ok. Là, t'as mis 2 marches. 4. 4 marches. Et voilà. Voilà. C'est nice. T'as fait ça, à côté... tu fais tes côtés de marche, là. Fini, t'as ton escalier. C'est propre. Ok, d'accord. Et plutôt que t'embêter, parce que je pense que toi... Quand tu fais tes escaliers... Ah, c'est en carré, hein, moi fait, c'est... Toi, tu fais... Voilà. Un gros carré jusqu'ici. Tu remontes, tu réduis. Mmh. Ouais, grosso modo, etc. Ouais. Tu dois faire un truc du genre, et quand tu essaies d'aligner ta texture, tu fais « Putain, ça me casse les couilles, ça va pas. » Ok. Et ça va te changer la vie aussi. Tu vas gagner un temps et tu vas garder des cheveux surtout. Ce carré est pauvre. C'est ma phobie, quoi. Ok. Ouais, tu verras, passer 30 ans, ça commence à bien tomber. Oh là là, me dis pas ça. Moi, je les ai passés. Ah non. Bah, je mets plus la caméra. Hein. Non, ça va, non. Je les ai encore. Ah bon, ça va. Bon, écoute, merci encore une fois. J'ai tout noté sur mon bloc-notes, finalement. Puis je vais retourner sur le site, je l'ai gardé en lien, là. Et regarde bien ça. Ouais, les ouais. dimensions, là. Cette partie-là. Les dimensions. Tu vois, t'as des screens. Dimensions dans le... Tu vas sur... passer au-dessus, Charlotte. Passer en-dessous, passer entre... Merci, Diable Empire. Donc, si tu veux être accroupi pour faire un passage souterrain. D'accord.
On a un singe qui nous demande, c'est possible, petite question, c'est impossible d'aligner toutes les textures sur un bâtiment. Alors, il y a une astuce. Pas compris, mais oui. C'est pour toi. Admettons... Attends, je vais pas tout supprimer parce que je vais avoir la flemme de tout refaire, en fait. Je vais dégager mon escalier, il me sert à rien. Ça non plus. Krilorino qui marque avant le stream, construction de château. Et de nouveau d'après le stream, j'achète un château. Je suis le prince du chaos, Kazu. Super! Bienvenue à toi! Salut! Donc voilà, là t'es bien. T'es bien aligné parfaitement à la grille. Ça, c'est. Mettons, tu fais un. Je peux te faire même un petit toit. Hein. Pour le plaisir, voilà. Singe, t'es gâté. Hein. Pour le plaisir, tu te fais un joli petit toit en plus, hein, tu vois. Oh là là. Tu vois, t'as la maison parfaite là. Je peux même te faire le truc en pointe si tu veux. Alors pour aligner les textures, bon, sachant que là on est sur du 256. Je vais te mettre sur du 128, t'auras pas d'entorse au cerveau. Ça, on va le repasser sur 64. Et donc là, si je comprends bien, le sol, c'est notre croix que nous avons de référence. Hein. Voilà. Le sol, tu dis ton sol de map. Donc, ce que tu appelles l'origine d'une map, ouais. Donc le point de coordonnées 0, 0, 0, donc horizontal, enfin, l'axe XY, sur l'axe XY et Z, c'est l'intersection sur tes trois vues du bleu, là. Ok. Donc, quand tu fais des add-ons avec des spawns de position, des spawns de joueurs, etc., le 0, 0, 0, c'est ici, sur ta map. D'accord. Donc, admettons, le point qu'il y a ici, tu vois, ce sera 512 par 128 par 0. Ok. Après, c'est les codeurs, ils se démerdent. C'est sûr. Allez. Nous, on fait des maisons, c'est déjà bien. Oh, ouais. Alors, aligner ta texture quand tu es sur... un truc qui, de base, est pas trop mal fait. En plus, ça, c'est une texture de merde. Tu vois, faut que je tombe dessus au moment où je vous ma gueule. Alors, on repart sur du voilà 128 en texture chiffre 0. Vu que je suis décalé de la grille, ça va pas. Donc, tu vois, là, parce que mes murs sont... un multiple de 128, donc 640, donc c'est 5 fois 128, et que la texture, c'est pas une texture de merde décalée. Tu vois, au centre bien, ouais. Du poteau, ici, entre le centre et le centre, t'as bien tes 128. Ouais. Là, t'as juste à clic droit, okay. Ça s'aligne. Il y a même pas besoin de faire alt clic droit, quoi. C'est ça. Par contre, là, si je la mettais, tu vois, là, elle est à moins, si je la mets à moins 128. Aïe. Donc, si tu veux la continuité, donc, admettons, t'as la folie des grandeurs. Ta maison, elle. Alors que. 896. Alors, singe qui marque, je sais qu'il faut faire alt puis reporter. Mais là, tu vois, tu n'as même pas besoin de faire alt puis reporter. Mais il y a des endroits où c'est impossible car il y a plusieurs textures qui se croisent. Enfin, c'est compliqué à expliquer. Mais alors, si tu dis que c'est impossible, pourquoi tu poses la question, singe ? Si tu veux faire ça, tu sélectionnes ta face d'avant. Pourquoi ? Ouais. Tu as le alt clic droit qui, oui, répercute du coup la texture que tu as sélectionnée sur l'autre. Ouais, ok. Alors là où ça va être très utile, bon, pour les cadres des murs et tout, si tu maps correctement dans les respects des dimensions et tout, il n'y a pas de problème. Là où c'est super utile, c'est quand tu fais
remettre en autre row. Voilà. Quand tu fais ça. Okay. Et ça, c'est tous les petits mappeurs qui. Enfin, petits ou autres, mais qui savent pas forcément. Qui font des maps avec des pentes et des trottoirs. Donc, admettons, donc là, j'ai 512. Je vais faire une pente de. Et là, je pense que je vais sauver la vie de plusieurs personnes. Donc, tu vois, tu fais un dénivelé. Donc, ça peut servir pour des rampes d'escalier, pour des trottoirs. Donc là, tu as une petite astuce. Admettons, on veut aligner ça. Voilà. Et là, tu vois, là, si tu fais Alt-Click, ça fait ça. Ça va pas. Par contre, ici, vu qu'il est bien aligné sur la grille, il est là. Mmh. Donc, la petite astuce ici, c'est que tu sélectionnes ta face. Là, tu as ton brush, la face du haut qui n'est pas texturée. Tu fais ton Alt-Click ici, en sélectionnant bien ton mur. Tu resélectionnes ça. Tu refais Alt-Click. Et tu repars du haut. Tu refais Alt-Click. Et la face dont tu as besoin. Mais voilà, la magie s'opère. Tu remets ton nodro et regarde. À part la jointure de la brique et tout. Après, en fonction de la texture, tu vois comme ici, le joint, il est pas ouf. Ouais. Mais ça, tu peux pas y faire grand chose, malheureusement. Ouais, ça, c'est la texture, j'ai l'impression. Ouais. Et pourtant, tu es sur un respect de la grille avec un bon dénivelé. Logiquement. Ouais, t'as un dénivelé de 640. C'est ça. Ouais, bah ça doit venir de la texture. Alors si. Peut-être j'ai que ça vient de moi. Attends. J'ai mis une image dans Media du Discord pour expliquer mon problème. Oula. Ouais, ça vient bien de la texture. Hein. Ah, ok. Bon. Alors, il a mis une image dans le Discord pour expliquer son problème. Okay. Donc, t'as ton mur qui est là. Et toi, c'est la face du dessous. Et quatre possibilités pour connecter les textures, donc c'est jamais la bonne pour les trois côtés. Alors, attends, tu viens de me faire une entorse au bécherel, là. J'ai pas tout compris. Ce soir, ça va être la punition. Donc, tu pars de là. Donc, toi, tu prends un truc en brique bidon. Voilà, ça. Cacher le masque. Non, je vais te le laisser parce que comme ça tu sauras où je clique. Ah oui, par rapport au dessin de la brique. Oui, je vois. La cassure qui se fait là par rapport au dessin de la brique. Eh ben, tu restes sur ta face numéro 1. Alt-Click sur face 2. Tu vois, c'est dans la continuité. Tu as une légère cassure. Parce que tu vois, le joint de la brique, il ne va pas forcément être à 512 piles quand le mec il l'a fait sur Photoshop. Elle est peut-être à 514 et quelques. Mais ça, tu ne pourras rien y faire. Donc, tu prends face 1, Alt-Click sur face 2. Face 2, Alt-Click sur face 3. Face 3, Alt-Click sur face 4, etc. Mais tu auras forcément un endroit. Tu vois, par exemple, si je prends face 3, et que je reclique là, ah bah non, là t'as ta chance, ça tombe bien. Normalement, elle ne devrait pas bouger. Là, t'as de la chance. Pareil au-dessus, pareil en dessous. Si t'as besoin de texturiser les quatre faces. Mais ça, c'est pas bien, faut pas faire. Sur tes brushes, faut que tu aies toujours, obligatoirement, enfin, si vraiment tu peux, avoir au moins une face en nodro. Donc quand vous dupliquez vos murs pour faire vos angles de maison, etc. Là, vu que c'est des faces qui seront, je vais vous montrer, non visibles par le joueur.
On est d'accord que Jean-Kevin qui est là, lui, il va voir ce mur-là, il va voir ça, mais il verra pas le dessous, il verra pas le dessus. Oui, ça, c'est donc, une c'est notion... C'est un truc qui débarque. C'est important. Donc, tout ce que tu ne vois pas, c'est Nodro, Nodro, ici. Nodro, ouais. C'est Nodro aussi, donc là aussi. Et pourquoi faut le faire? Parce que même si ton joueur ne le voit pas, le moteur, quand tu vas compiler ta map, je vais te chercher un homme de compile. .txt, il est où? Là, c'est un journal pour la soirée, si... Si je t'explique tout... Si tu exprimes tous tes problèmes... Moi, ce que je vous propose, c'est parce que bon, ça va faire 2h30 de live, normalement je fais que 2h, c'est qu'on fasse une pause là, et qu'on reprend demain soir, ça vous dérange pas? Ah merde, ouais, j'avais pas vu l'heure. Je suis désolé, je t'ai niqué tout ton live, je crois. Non mais c'est pas grave, bien au contraire, c'est parfait comme ça, vraiment c'est... Moi j'adore ça, c'est l'improviste au plus grand, mais vraiment j'adore ça. Donc y a aucun problème avec ça. Et pour finir sur juste ça, après je te vraiment promis, je te laisse tranquille, parce que là on devait déjà se laisser pas, ouais. Avant, ça a dérivé. j'ai pas de log de compile récent avec éclairage. On trouvera une solution en temps et en heure. Alors, est-ce qu'il est là? Un nombre de faces, je crois qu'il ne marque pas là-dedans. Mais en gros, il calcule au nombre de faces ayant une texture, même si elle n'est pas visible par le joueur. Donc un Nodro, il ne calcule pas le Nodro. Tu vois, c'est pour le moteur, ouais. Hein, c'est écrit dessus, noir sur jaune, ouais. On ne le dessine pas. Par contre, si tu mets une face qui n'est pas visible par le joueur, mais... Donc tu vois, par exemple, comme là, à l'intérieur de mon mur, l'angle, il y a une texture, mais il est visible par personne. Et ben le moteur, il va quand même la calculer. Oui, pour rien, d'autant plus. Pour rien. Multiplié par toutes les faces de ta map, le moteur, il est en PLS. Coup dur. Pour le moteur et Jean-Kevin. Ouais, après, arrive un moment quand tu veux jouer aux jeux vidéo avec un PC à 400 euros, je sais pas, achète une PS5 digitale. Télécharge League of Legends et c'est bon. Ouais, et désactive les effets. Et hop. Bon, voilà. Écoute, Didi, merci encore une fois. Bah désolé, vraiment, parce que je t'ai bouffé ton temps, je t'ai bouffé. Tu n'as pas à être désolé. Les lives, ils sont. Je fais ces lives-là vraiment pour le mapping, vraiment le plus possible. Donc, on était complètement dans le thème, ça me suffit parfaitement. Vraiment. On a beaucoup appris, vraiment. Voilà, les gens posaient des questions, tu y as répondu, c'est parfait. Voilà, je peux pas rêver mieux. Et en plus, je me suis fait de l'argent, grâce à ça. Voilà. Mais putain, si à chaque fois que je te donne une explication, tu prends 70 balles. Tu vas peut-être me demander un pourcentage, peut-être. Non, ça va. Je suis tranquille à ce niveau-là, t'inquiète pas. Bon, mais bon, ben voilà. Pas ça pour la thune, hein. Sinon, je m'apprête pas sur Gmod. Hein. Voilà, ben, sache qu'il dit merci Didi, je te dis aussi merci. Merci beaucoup. Très belle rencontre, en tout cas. Je suis très content de t'avoir rencontré. Vraiment. Mais après, n'hésite pas, je stream à mes heures perdues aussi. Ok. Ben, c'est superbe. Je passerai, je vais juste pas m'abonner. Enfin, me follow plutôt. Oui, te follow, c'est bien, ça suffit. Ouais. Ben voilà, ben sur ce, je te souhaite une très bonne soirée, une très bonne nuit, ou à tout de suite sur le live. Bon, là, je vais dire au revoir. Je vais faire ouais, les remerciements. Ça marche. Allez, ciao, ciao. Ciao, ciao. Bon, les amis. Niveau stonkitude, on est pas mal. Niveau stonkitude. Alors, je vais prendre le temps de remercier tout le monde depuis le début. Je vais prendre le temps de remercier tout le monde. Alors, merci Radio Bière pour tous ces dons, déjà. Ces petits dons parsemés comme du parmesan sur de bonnes pâtes, sur de bonnes pastas.
Subitflex du follow. Oyos aussi du follow, merci. Zayden, cher confrère, merci du follow. Chris Forex, alors là, 70 boules. Incompréhensible, vraiment incompréhensible. Mais merci infiniment, vraiment, c'est incroyable. Twitch Xenorune, merci du follow, effectivement. Ensuite, nous avons Krillorino qui, pour la première fois, nous a hébergé, enfin un host. Merci d'avoir rejoint cette équipe des hosts. Seb qui a eu la fièvre des subs. Merci Seb. Mais bon, voilà, c'est que de générosité absolument incroyable. Donc merci beaucoup Seb. Agmar 2239 qui a fait 3€ de dons. Merci John Le Sang. Merci à toi Agmar. Ensuite nous avons qui d'autre? Nous avons, bah oui, encore une fois, Chris Forex qui a mis 20€ en plus de ses 70. C'est délirant. Nous sommes dans le délire le plus complet. Et enfin, Diable Empire qui a terminé, du moins, avec ce petit follow. Voilà. Donc 2h32 de live, c'est un peu plus que la normale. Je tiens à vous dire que c'est rare. Je pense pas que ça puisse se reproduire. Peut-être, avec le temps, qui sait. Donc, merci infiniment pour tout cet investissement. Merci Didi Dreams, parce que malgré tout, on a beaucoup appris. C'était très intéressant au moment d'avoir enfin une communication. Je veux dire enfin, mais parce que c'était très agréable au moment. Ne sois pas désolé Didi Dreams, c'était vraiment superbe. Je pense que ça a plu aussi aux gens. Et c'est à ce moment-là où eh bien, je vous souhaite une très bonne soirée. Et donc je vous dis à demain, peut-être pour un peu de RP quand même, parce qu'il faut bien, et aussi un peu de Hammer. Alors le Hammer, je pense qu'il viendra plutôt mercredi soir, 20h, on retournera sur Hammer, comme ça me laisse un peu de temps modifier les proportions. Et donc on se retrouvera demain soir à 20h. Je vous souhaite, chers camarades, une très bonne nuit sur cette belle musique et sur ces belles paroles. Merci du fond du cœur, merci infiniment. Et stonksement, votre dévoué et fidèle John Wood. À demain, chers amis, et passez une très bonne nuit. Merci, au revoir.